Bref, un peu de GeoGuessr, histoire de faire disparaître nos animosités les plus profondes. Mais la version Nightcore de Cotton Eye Joe, voilà quelque chose que je ne ferai jamais. Non, absolument pas. Je crois qu'en plus, Rednecks, ce qu'on fait Cotton Eye Joe, il me semble qu'ils sont suédois ou finlandais, non? Attends, Rednecks. Ils sont suédois. Moi, j'ai toujours cru que c'était un truc américain à la con, tu sais, des années 2000. Mais non, c'est ils sont suédois, ouais. Je vais foutre une petite un petit son derrière, tranquillos, histoire qu'on fasse ça sous de bonnes augures. Et ça va nous permettre de... Tu vois, on respire, tu vois. Là, rien que le fait d'avoir coupé Wolfenstein Youngblood. Youngblood, nigga. Youngblood. You're coming up, Youngblood, nigga. J'ai pas changé le tableau de bord. Pourquoi? Parce que je suis un gros gland. GeoGuessr, tac. Et. Je sais pas ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre? Youngblood. Plus jamais. Allez, hop, c'est y part. Tac. Allez. Ouh. Tiens, quelqu'un va dire sur le Discord qu'on est passé sur du GeoGuessr, comme ça on pourra avoir des as de la géographie avec nous. Pas con. Shablam. Et voilà. Tac. Alors. Et on est paumé dans un champ. Tu sais quoi? Tu sais quoi, Sam? J'ai lancé juste une partie à la base juste pour calibrer mon écran. En plus, il est même pas bien calibré. Regarde, il y a un petit caca sur le côté là. Pip. Voilà. Non, là c'est mieux là. Là c'est bien mieux là. Là c'est bien mieux. Ça c'est l'Australie direct. On est d'accord, c'est l'Australie direct. Ah, putain, j'ai un petit bouton. J'hallucine. Il y a un moustique de ces morts là qui est venu me bouffer pendant que je streamais un jeu de merde. T'imagines? Mec, le non-respect, quoi. Je suis sûr que c'est là. Mais j'étais juste un round de test, c'est tout. Oh, c'est joli, ici. Ok, alors voyons voir. Où est-ce qu'on est là? Ça sent pas l'Amérique un petit peu? Les traces au sol sont blanches, alors je sais pas si... Ah! Ouh! Grèce! Ok, ça c'est la Grèce. Mais est-ce que c'est la Grèce? Est-ce que c'est une petite île de merde? Ou est-ce que c'est la vraie... Argentine 100%! Sale enculé! Ah, vous recommencez pas avec ça, hein. Non, c'est mort! C'est mort! C'est Chypre, d'où c'est Chypre? T'as vu ta gueule? Argentine, marchandise, présentez tous mes subs. Je m'appelle Tarico, ma vie c'est l'archiche royale. Ok, on est rentré dans un bled. Qu'est-ce que c'est ça? Fais voir. Les Baptiste, boot boot. C'est toi la tête de Chypre. Ok, putain, en plus ils ont... Remarque, c'est beau, mais c'est dégueu, ça rien à... C'est bien loin d'être aussi beau que la Bretagne, mec. Alors, quoi? C'est quoi, ça? Big Bass Speedboat, Kenpo... Ah, ils font du Kenpo, d'accord, c'est un truc de baston à main nue. C'est où, la Grèce? C'est là, non? Ouais. Alors, voyons voir. Je suis sûr que c'est un genre de petit coin paumé, ça, c'est un petit coin paumé dans les terres, ça. C'est grand comment, la Grèce? C'est par là, je suis sûr, là. Je suis sûr que c'est là-dedans, là. Blip! Ouh! 100 km! Eh, j'étais pas si loin que ça, mine de rien, hein! J'étais... Ah, merde, non. J'étais pas si... Enfin, un AVC. J'étais pas si loin que ça, mec, 100 km, c'est pas énorme, hein! Quand tu... À l'échelle cosmique, par exemple, c'est à côté, mec, hein. 100 km, tu les fais à pattes, hein. Franchement. C'est dur de parler, je comprends, je t'emmerde. C'est quoi? Donc ça, c'est les USA direct. Fais voir, c'est quoi la sortie, là? Exit. Ah, ouais. Ça va pas nous aider. Attends. New Mexico! Land of Enchantment. Ouais, c'est ça, ouais, New Mexico. Par contre, on vient de New Mexico, de où? Tu crois que c'est le nord? Je sais pas trop, pas... je crois qu'on... Ouais, on vient du nord, là. Parce que le soleil, il est là. Ah non, ça me dit rien, en fait. Y'a pas... Y'a pas les informations, hein. Oh, waouh! C'est un robot magique. Ok, donc c'est la frontière avec le Nouveau-Mexique. Donc, le Nouveau-Mexique, c'est là. NM.
c'est un de ces quatre côtés là. Je pense pas que ce soit de El Paso parce qu'il y a des frontières entre le Nouveau-Mexique et le Mexique. C'est soit là, soit là, soit là. On dit quoi les gars? Gauche, droite ou haut? C'est Breaking Bad, oui. Breaking Bad se passe à Albuquerque. Colorado, je dis. Tu penses que ça vient du Colorado? Tu penses que ça vient du nord du coup? Donc il y en a deux à gauche. Moi je dis en bas à droite. Donc toi tu dis là, toi. Toi tu dis que ça vient d'ici, dans rien en fait. Il y a le numéro de la route. C'était 25. Ah bah ça vient du haut. Ah non, si, bah si, bah si, c'est obligé. C'est obligé, donc c'est obligé. Ah, raton. Oh, il y a un village de raccoons. Les ratounes. C'est les ratounes qui sont là pour ça, je suis sûr que c'est ici. Quoi? Il va te faire enculer. Tout, 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 tout. Oh mec, je dab en rythme mon gars. 200 mètres poteau. 200 mètres, franchement on est pas mal. Papa Diar, computer shop. We accept the shirt printing video. We accept, c'est tout. Et vous acceptez quoi, le mec? En général, vous voulez dire vous acceptez? Bah, c'est gentil. Des tatous au aîné. Attends, ils font quoi? Des t-shirts, des vidéos, des tatous au aîné et des photocopies Xerox? Qu'est-ce que c'est? Où ça, God is good? C'était marqué quoi, God is... Oh, j'adore. Ah oui, God is... C'est le sketch des nuls à SNCF, c'est possible. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Sam, Tutorial Center, ah non hein. Oh, il est marrant. Oh, c'est pose à la Jojo, mon gars. La la, yay yay. Yayadar, ouais. Ouh, ouh. Tu crois qu'elle a combien? Oh, les clones. Oh non, il y en a un qui a fait un jutsu. Donc c'est un pays super avancé technologiquement quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en bas là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Mais alors attends, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme information là? Je sais pas si... Tu crois que c'est Thaïlande? We buy... Gay... We buy... C'est prort. T'as du thaïlandais parce que je comprends pas. C'est marqué quoi ça? General Merchandise, Educational Supply, Partner... Attends, parce qu'il y avait un panneau là. Et j'ai l'impression que c'était... Roadmills Photoshop and Copy Services. C'est incroyable ce qu'ils font avec Zero... Ah, eux, ils font pas les tatouages au nez. Là, ils font pas les tatouages au nez. Ça, c'est... Putain, ça me gratte. Ça, c'est important. GoPro, tu crois que c'est GoPro? Il a cette queue de la copa. Il y avait un drapeau. Donde está el drapeau? Là, c'est un centre de trucs, là. Il n'y a pas de... Ouf. Municipality of Aroroy. Aroroy. C'est quoi, Aroroy? Pourquoi c'est tout en anglais, là? C'est bizarre, non? Yakuza à droite. Kiryu. Konoyoro. Aroroy National... Porto Rico? Mais il y a trop de Chinois pour être Porto Rico. C'est pas des Chinois, Porto Rico. Regarde comment ils sont Chinois, eux. Ah bah non! Enrico et Valera, ils sont pas du tout Chinois, en fait. Non, même Philippin, non, non. Non, t'as raison, c'est doit être Porto Rico, un truc comme ça. Ils sont pas Chinois. Bah ouais, mais j'ai du mal à reconnaître, je suis désolé. Ouais. J'en ai jamais vu des comme ça, moi. Motorstar, oh, trop cool. Je vais voir ça, moi. Ils ont quoi? Waouh! 12 000 P! Ça en fait des P. C'est en pesetas? Non, c'était pas des pesetas. C'est le Costa Rica? Tu crois que c'est le Costa Rica? T'es une arcade? Où? Ah non, ça a été changé. Merde, putain, il y avait une salle d'arcade avant ici, mais quoi? Porto Rico, parce que c'est en anglais avec des gueules de Mexicains. Ok, faut trouver maintenant... Alors, c'est quoi? C'est où Porto Rico? C'est au Costa Rica? C'est où le Costa Rica? Je sais pas où c'est le Costa... Porto Rico? C'est là, Porto Rico? Costa Rica. Est-ce qu'il y a Aroroy? Si on trouve Aroroy, mec, on est bon.
Fais voir Porto Rico s'il y a Aroroy. San Juan. Ponce. Ma merguez. San Cristobal. Pétionville. Port... Ah non, ça c'est chez nous ça. Non, parce que quand je dis c'est chez nous, c'est pas. C'est, pas, c'est un terme français, je veux dire, j'ai pas dit. C'est chez nous! Le gros. j'ai rien, on va faire genre j'ai rien dit, d'accord? Attends, je vais quand même me balader un petit peu, parce qu'il y a quand même Salvador, Nicaragua et tout. J'ai pas envie quoi. La pensée colonialiste, j'ai vraiment pas fait exprès, c'est juste que j'ai vu Port-au-Prince. Et j'ai des copains qui viennent de là-bas, et du coup je croyais que c'était ça. C'est ma faute. Slow down, cool zone. Soulong, abolong. Quoi? Aroroy. Putain, mais il y a toujours Aroroy, mec, hein. Santa Maria, Stitre, Poblacion, Aroroy, Masbat. Philippines! Oh putain! C'est où les Philippines? Aroroy, et c'est dans les districts Masbat. C'est à Masbat. C'est où les Philippines? C'est où les Philippines? C'est là. Aroroy. C'est où Aroroy? C'était marqué Masbat, Manille. Ça, c'est ici, Manille? Je croyais que c'était en Italie, mais... Je suis vraiment une merde. Je l'avais dit. Ouais, mais je vous crois pas. C'est pas aussi simple que ça, les gars. Tatin, tatin. Tin. Tin, tin. Tatin, tatin. Tin. Pourquoi les Mexicains ici? Pourquoi ils sont Mexicains si c'est aux Philippines? Je t'avais dit qu'ils étaient chinois, mec. Masbat, 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 Masbat. Aroroy. Oh, 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 oh. On est bien là, 8 bornes. Beau gosse, mais oui, oh là. Mec, ça c'est la Russie, ça. Ça c'est la Russie, regarde, ça va être en cyrillique. Brap. Eh oui. Oh. Eh oui, non, c'est la Russie direct. J'ai vu au paysage morne et aux routes poutiniennes, j'ai vu que c'était la Russie. C'était évident. Alors par contre, où en Russie je suis sûr que ça va être près de la Mongolie, ça. Je suis sûr que ça va être genre là. Ah, ça va, j'étais pas loin. Putain, en plus, il y a Hoffman, il a dit c'est à côté du Kazakhstan, obligé, mec, il... Kazakh, ah ouais, putain, mais vous êtes balèze, en fait. Enfin, peut-être que je vous suive, plus. Ok, bon, on se fait une autre map world. On fait une autre map world, et ensuite, on fait une map France, d'accord? Et ensuite, je crois qu'il y a des maps assez marrantes qui ont été rajoutées... Oula, c'est le sud de la France, ça. Oh oui. Oh oui, ça sent l'olivier. Olivier! Olivier! Tu veux la batterie? Irlande! Tu penses que c'est... Oh, l'Irlande! Tu penses que c'est l'Irlande? Angleterre. Apparemment, selon Hoffman, c'est l'Angleterre. Quand tu vois du désert et du cyrillique, c'est que c'est kazakh. Ouais, mais non, c'était quand même en Russie, mec, hein. Donc, Ouh, on va voir aux habitations. Non, je vais aller là-bas. Mec, j'arrive pas bien à voir. Tu crois que c'est français, ça? C'est quoi, ça? On voit rien. Putain, c'est super mal photographié, en plus. C'est la Bretagne, c'est dans le Poitou. Le Poitou, mec, ça existe pas. Alors, fais voir. Il y aurait une meilleure qualité si c'était fait en Bretagne. Les photos qui sont faites en Bretagne sont de meilleure qualité, en général. C'est quoi, ça? J'arrive pas à voir. Putain de sa mère, la pute. Oh, c'est des murs. Oh, j'adore les murs. Alors, Angleterre, je dis, attends, ça me gratte l'œil droit. C'est super handicapant, mais... Voilà. Enfin, c'était à côté, me fais pas chier. Je t'emmerde. C'était pas le Kazakhstan, c'est tout, c'était en Russie. T'aurais dit le Kazakhstan, j'aurais mis au milieu du Kazakhstan, on aurait fait 3000 bornes pareil. Alors, je suis désolé, mais... Alors, attends, est-ce que ça a une gueule de français, ça? Plaque d'IMAT. Ah, les plaques sont blanches, ça pour... Oh, oui, non, si, oui. Putain, j'ai envie de dire oui, mais... Ça fait british, tu trouves? Il y a une croix inversée, quand même, hein. Je suis pas sûr que... La Corse? Oh! Meldrim, Talog, Ah oui, non, si, t'as raison.
Ça c'est du ouais, non ça c'est du British ça. Ça c'est même c'est de l'irlandais même. C'est de l'irlandais de ouf. Non, c'est pas cocorico du tout du coup. C'est pas cocorico du tout du tout du tout. Je sais pas si c'est irlandais ou écossais, tu penses? Regardez pas, s'il vous plaît, ne regardez pas les réponses sur Google, j'ai envie qu'on cherche quand même comme on peut. J'ai pas envie qu'on triche. Tu penses que c'est Écosse, ça, ou Irlande? Oh, l'Irlande! Les noms ont l'air tout claquos, mais en Irlande aussi, les noms sont tout claquos. Talog Abernant. Ah oui, non, il y a Abroat. Ouais, ça va être dans le coin. Y'a pas Abernant. De toute façon, je pense que c'est plus ou moins dans les terres. Je suis sûr que c'est genre... là. Attends. C'est pas trop loin, je pense, de la population. Kazakh 100%. C'est Irlande. Tu crois que c'est l'Irlande? Non, mec, c'est pas l'Irlande. C'est pas les mêmes mots en Irlande, si? Si, bah si, putain, merde. Faut faire un choix, les mecs, hein. Faut faire un choix, hein. Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille. Allez, c'est ici. Fuck! Putain. Mais je suis pays de Galles. On s'en fout du pays de Galles. C'est tout pourri, le pays de Galles. Y'a que des cons qui viennent du pays de Galles. Non, non, si, y a le mec, un des trois de Top Gear qui vient de là-bas. Alors, fais voir. Attends, merde, non. Eh bé. En tout cas, je sais pas c'est quoi comme pays, mais c'est la fête. Ah, un petit panneau. Oui. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un petit accent sur le S, là. Tu sais comment... C'est quoi? C'est pas en Bosnie ou en Croatie qu'il y a un alphabet comme ça? Non, 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 c'est pas la Finlande. Europark. Non, 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 c'est pas la Finlande, ça. Non, regarde avec les Z, mec, les Z et tout. Non, 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 ça c'est... C'est par là, là. Non, pas Amérique. Dans le coin, là, là. C'est là-dedans, là. Alors maintenant, faut trouver un moyen de déplacer tout ça. Lituanie. Alors, on va se casser... Ouh. Go, putain, mais le caméraman, il était pété. Attends, vas-y, je prends une photo de la Lituanie, putain. Go. Galogiroi. Ça ressemble à du croate, tu crois? Moi, ce matin, j'ai fait une énorme croate, c'est pas pour ça que tu me... Oh, il est déjà en train de niquer. Oh, lui, il a trouvé une pute. Ah non, il y a personne. Ok. Ça ressemble à du croate de ouf. Pff, n'importe quoi, ils savent pas compter en Croatie. Oh, il est marrant leur signe, regarde, d'impasse, il est tout gros. Il est pas comme le nôtre. Ah, enfin une pelle route chinoise, regarde. Ah, ça va être bien de rouler là-dessus. Vas-y, on est sur un grand axe là. Tatin. Tatin, tatin. Attends, parce que cette chanson est extrêmement longue en fait. C'est la version 13 minutes, je crois. On a déjà fait 6 minutes. Attends, je la passe. Oh yes! Une chanson de Siphon Filter pour penser à des trucs, c'est trop bien. 60 km, c'est en Hongrie, Biélorussie. Allez, ouais, c'est bien, vous m'aidez super bien, les gars. Pourquoi vous mettez des noms de pays full majuscule? Est-ce que t'as vu que d'un côté, t'as la population ainsi que la technologie, et l'autre côté, t'as littéralement une Old Town Road? Fais voir le panneau là-bas, là, y a un panneau là. Varloubi. C'est un gros. Un... Je sais, je. Roumanie? Waluigi. Varloubi, on dirait pas une ville polonaise. Moldavie. C'est où la Moldavie? Ça existe pas la Moldavie? Ah si, c'est là. C'est la Moldavie, ça. Varloubi. Oh, Florence Florestier. Pologne, regarde les Z. Tu crois que c'est en Pologne? Bon, faut qu'on trouve Waluigi. On va essayer de chercher un peu au hasard. Mais y a pas le L rigolo. Ça, c'est un L normal. Eux, ils ont un L. Ah, bah non, remarque, ils ont les deux. J'ai l'impression de connaître quelqu'un qui vient de Warlubi, mais j'ai pas envie de tricher en lui demandant. Moi, je dis Hongrie. Moi, je vote Pologne. Ok, on dit quoi, les gars? Hongrie ou Pologne? Hongrie ou Pologne? Ça dit surtout Pologne? Comme le saucisson de Bologne? Ah, il y a Sodomirs. Ok, il est où Waluigi?
Pologne, Pologne, ça pue la Pologne. Ok. C'est vraiment, on dirait une chanson. Pologne, Pologne, ça pue la Pologne. Ok, on va aller là. Ouh, ouh. C'est bien les mecs, c'est bien les gars. Bon, c'est bien les gars. Franchement, franchement, respect sur la Pologne. J'aurais pas dit Pologne, moi, j'aurais dit les pays à la con, là. Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, machin. Là. Ok, ouf. Afrique du Sud. Afrique du... Non. Par. C'est pas stop, c'est par, justement. Vas-y, casse-toi. Il va super lentement avec son scooter. Afghanistan, Seine-Saint-Denis, Afrique. Mec, regarde ce bordel. Non, en fait, c'est pas le bordel, c'est juste que c'est en construction, mais j'ai l'impression que c'est le bordel. Mais il a une putain de maison, lui. Elle est défendue comme, comme une base soviétique, si tu veux. Non, mais regarde ça, là. Et regarde ça à côté, si tu veux. Mexique, tu crois? C'est chez Foxy. Hawaï. Non, il y a trop de blagues, c'est pas, ça peut pas être Hawaï. Non, c'est pas comme ça, Hawaï, mec. C'est pas comme ça, Hawaï. Violetas. Ah, voilà, là, on avance. Là, on avance. Rua Violetas. Ok, donc déjà, c'est latin. C'est latin, déjà. C'est latin. Chut. Attention. Ok, bref, excusez-moi, j'adore cette chanson, je sais pas si c'est évident. Donc ça dit Brésil. Et vous avez vu que mon volume de micro a carrément augmenté depuis que j'ai quitté Wolfenstein de merde, quand même. Ok, Brésil, Farmacia Popular. Bah du coup, c'est pas latin, enfin c'est pas espagnol, c'est serbo-croate, je sais pas quoi là. Allez, Brésil, c'est pas très grand le Brésil, alors ça va se trouver vite. Regarde, c'est juste à moitié, c'est juste la moitié de l'Afrique, d'Amérique du Sud. C'est quoi le nom de la musique? S'il te plaît, c'est Streets of Rage. Portugais. C'est Portugais. Allez, ici. J'aime pas le Brésil, ça me saoule. Oh, putain. Je m'en fous, je vais bouillir. Ok. Franchement, 600 bornes. Ça se fait tranquille, 600 bornes. C'est pas mal, non? Ouais, c'est, par contre, c'est des bâtards avec leur truc, hein. Mais bon, c'est pas mal. 600 bornes, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Master Shooter. Wow! C'est quoi ce coin? Il est ouf! Mec, on dirait la Bolivie. On dirait les coins qu'on voit dans... Rainbow Six, dans Ghost Recon Wildlands. Mec, tu paries que c'est ça? Tu paries que c'est la Bolivie? Eh, Bolivia. C'est la Bolivie, déjà? Ouais. Attends, c'est un Bolivia. C'est où, la Bolivie? Regarde, bim, 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 Bolivie. Direct. Ouh, j'étais pas loin. Franchement, j'étais pas loin. Mec, comme quoi les jeux vidéo, hein, gamer. Franchement, à 1500 km près, franchement, tranquillos. Le Pérou, la Bolivie, c'est pareil. Arrête, oh là là. True gamers. Ouh, oh la vache. C'est super bien ici. Je veux vivre ici, regarde. Eh, je veux vivre, je veux là, moi. Je veux être ici, moi. C'est le futur ici, mec! Attends, il y avait une écriture là. La papopé. Attends, c'est marqué la pa. Lipou. Lipoupi. Lipoumi. Lipoumi mint. Mais c'est des runes, ça? Non? Attends. Ka. Ah, ben ça, c'est du. Ça, c'est du finlandais. Voilà, là, on est en Finlande. Non? Ou alors en. Si, c'est la Finlande. .fi, c'est Finlande. Bah voilà, la Finlande, putain, c'est quand même pas compliqué, un joli pays, regarde si c'est pas beau. Ah, oula, attends, on va revenir par là-bas, parce que j'ai dit, regarde si c'est pas beau. Attends, on va aller là-bas, on va essayer de skip le mauvais temps. Ah, merde. Ah, voilà. Porjolan. Ah bah c'est à Porjola, bah voilà, on a la réponse. Porjola, je crois que c'est dans le sud, Porjola. Il me semble que c'est un nom de bled. Oh. Porjola. Porjola. C'est pas dans le coin là, c'est pas dans le sud. Je crois que c'est dans le sud. Hé, merde, c'est ma voix maintenant. Salut à tous. Alors on va se faire un petit coup de de Fortnite. Ensuite on va sur Apex Legends. Il y a la nouvelle saison. Donc on fait ça après, d'accord.
Allez, une petite page de pub et c'est qui part. Bon, allez, bref, je suis sûr que Porgola, c'est... Non, c'est pas dans le nord, ça, c'est une ville du sud. Même très sud, je suis sûr que c'est très sud. Alors, on va pas prendre trop de temps dessus, bim, c'est y part. Ah. L'homme qui en connaissait trop. Mais t'as vu, je me suis foiré de 500 km, ça fait la moitié du pays. Tout à l'heure, je me suis foiré de 1500 km, ça faisait aussi la moitié du pays. Comme quoi, on est vraiment pas égaux au niveau des pays. Eh ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez, une autre map, c'est y part. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc? Elle est super forte, cette chanson, par contre. Attends, je vais la passer, voilà. France, vous voulez qu'on fasse un petit coup de France? Allez, on se fait un petit coup de France, c'est y part. France. Yeah. Comment? Yeah. Ok, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a? France, par Sauce Boss. Easy apparemment. Bon bah écoute. Ça c'est un petit peu fort. Oula. Ouh là là, putain, ça se voit qu'on est en France, hein. Vendu. Toi-même. Lyon. T'y crois? Ok, attends, vas-y, un petit coup de Lyon direct, bim, Lyon. Tac, c'est y part. Loser, loser. Hans, t'es un gros loser. Allez, spammez-lui les gros losers. Spammez-lui les gros losers, là. Allez, rentre chez toi, poteau. Ouh. Ok, y a une break. Déjà, y a une Peugeot break. Oh la vache. Y'a rien, il fait chaud. Y'a rien et c'est brûlé. C'était vers chez moi. Bah oui, c'est à Paris. Bah forcément, c'est vers chez toi, mais bon. Oh, c'est le Limousin. Tu crois que c'est le Limousin? C'est où le Limousin? Avignon, c'est quoi ces noms? C'est quoi le Limousin? C'est Limoges? Non, je sais pas. C'est où le Limousin? Je sais pas ce que c'est le Limousin. Limoges? Tu crois que c'est à Limoges? Non mais attends, Hans il va pas répondre tout seul, je sais tellement pas. Y'a Dar qui fait oh c'est le Limousin, mais c'est où? Pff, alors là. Mais je sais qu'il y a des champs là-bas. Mais c'est quoi le Limousin? C'est milieu un peu à gauche. Non, c'est la Bretagne, ça. Attends, c'est quoi? Attends, on va rentrer chez les gens. Voie privée interdite sauf adhérent de l'AF. C'est pas un truc nazi, ça, encore, hein? Limousin, c'est à Limoges. Ah, d'où le nom. Mais non, mais barrez pas ça, bande d'abrutis. Magnan. Ah bah voilà, c'est un Magnan. C'est par là, là. Magnan. C'est où, Magnan? Magnan. Si on s'en fout ce bouquin, on irait chez moi. C'est Magnan? Il est où le Magnan? Il est pas dans le coin. Mézières sur Issoire. C'est ici qu'il y a des noms super rigolos, regarde. Oradour sur Glane. Cognac la Forêt. Ah, ça c'est, j'accepte les deux. Pierre Buffière. Saint-Hilaire les Places. Oh, j'adore. Milac de Nontron. Champagnac de Belair. Brantôme. C'est un fantôme qui fait que se branler. Regarde, Mareuil. Je suis sûr que c'est dans le coin là. Je suis sûr que c'est là. Ah, ah, le Limousin. Oh, c'est beau, le Limousin. Avec ses chants. C'est, le Limousin, c'est pas là. Mais si, c'est là, le Limousin. Mais c'est juste pas Magnan, c'est tout. C'est vers Troyes. Putain. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oradour sur Glane. Quoi? Comment dire? Quoi, c'est là que t'habites, c'est ça? Arcala, il habite pile sur Oradour sur Glane, c'est ça? C'est où Oradour sur Glane? Là, ici. C'est là que t'habites, Arcana? Quoi? Youngblood en a tiré un trait dessus. Mais de quoi tu parles? T'es bourré? Mais de quoi il parle, ce con? Ouh, ça c'est le sud. Ouh, ça c'est le sud, ça. À chaque fois, on dit c'est le sud, c'est jamais le sud, mais. Mais mec, faut arrêter la drogue, poteau. Il est complètement ouf. Ah, c'est à Cesse. C'est quoi ici là? Attends, il va y avoir plein d'informations là-dessus là. Yes. Ok, donc t'es pas là. Oh, quelle beau typographie. Attends. Pardon, j'arrête. Ouh! Y'a un tough boy là!
Tough boy, tough. Ah non, c'est un facteur. Non, c'est quoi? C'est un Power Ranger? Ah si, c'est un facteur, ouais. Oradour, c'est un village qui s'est fait cramer par les SS en 45. Ah! Bah, je savais pas, moi. Le 10 juin 44. Mais quoi, pourquoi tout le monde sait ça? C'est quoi ce délire, hein? Attends, je suis dans une autre dimension, quoi. Ça t'arrive pas, des fois? Ça m'arrivait, moi, quand j'étais en classe, des fois, où la prof posait des questions, et tout le monde savait, sauf moi, et dit « Oh, mais dis donc, bah, on n'est pas du tout le bon mois, mais bon. » Avril, juillet, c'est pas non plus... C'est quoi, ça? Non, c'est personne. C'est pratique, gogler. Gogler, gogler. Avril... Putain, on se fait suivre en arrière. Vous pensez que c'est un village de où, ça? Les petits toits en briques, ça c'est un village qui n'a aucun intérêt. Ça va être dans le centre de la France ou dans la région parisienne, ça. On est d'accord? T'inquiète, Ruru, j'ai souvent connu. Mais oui, et t'as cette impression que t'es ailleurs, que t'es pas censé être là, que c'est vraiment une impression étrange. Oh, Nick! Oh putain, il manque vraiment de... il manque vraiment de manière, les gens ici, hein. Ça pas loin de Lyon, ça passe. Allez, Nord, Paris, oui, ça pas l'air de vers chez WAM. Bourgogne, ça n'existe pas, la Bourgogne, je t'ai déjà dit. Oh! La l'Autriche! Ouais, c'est un village de normies de merde. Mais oui, attends, les normies de merde, ils vivent là-bas, là. C'est genre là, là. C'est par là, là. C'est que de la merde ici, là. Tiens, ici, là. J'adore ce son aussi. Allez. Putain, c'est vraiment stressant, ce truc-là. Ah! Ouais, bon. On était pas si loin que ça. On était pas si loin. On était pas si loin que ça. C'est bon, c'était à côté de Joff. Montons à la montagne, Aubécourt, Auboué, Moutier. Ah oui, c'est comme Fabrice Auboué, je le connais, c'est un humoriste. Sainte-Marie-aux-Chênes, Saint-Privat-la-Montagne, Mézières-les-Mèches, n'importe quoi. Hein. Vraiment n'importe quoi les noms ici. Hein. Volcrange, oula. Rochonvilliers, Volmerange-les-Mines, go! Attaque tonnerre! Allez, c'est type à côté de Fionville. Cormeilles en Parisie, c'est pareil, ça c'est en région parisienne par contre. Cormeilles en Parisie, ça c'est un vieux bled romain là qui était à côté de Lutèce, ça c'est à côté de Paris, c'est dans le coin là. Non, là, dans le coin là. Blip. Ha! 32 bornes mon gars, 32 bornes, franchement, Nord-Ouest, putain il savait Airsoc. Je sais pas comment on prononce ce pseudo, je vais dire Airsoc. J'ai toujours prononcé comme ça, je sais pas si c'est un problème ou pas. J'ai pas envie d'être problématique, c'est ça que je suis en train de dire. C'est quoi ça? Oh, un drone! Ça y est, c'est les oiseaux du gouvernement qui viennent nous choper. Oula! C'est quoi ces constructions brutalistes... soviétiques? Les Benets, ils sont ici, ils sont tous sur le chat. Je vous ai pointé avec ma souris, mais du coup ça a pas marché. Les Giles. C'est le Mont Blanc. Ah ouais? Il fait au moins 38 mètres. On m'y a envoyé avec Cormeille. On m'y a envoyé. T'es allé en tôle, Airsoc? y a une tôle là-bas? T'es allé en tôle? T'as fait quoi? T'es allé en tôle? Les gars, Airsoc, il est allé en tôle. Faites attention quand même. Cachez vos sacs et tout. Là. L'Autruche, cache tes tampons. 45e parallèle. Ça, c'est super précis par contre. Il est où le 45e parallèle? C'est vers là, non? T'as vendu du toto? Hein, Airsoc? Grave cramé, quoi. La ligne Maginot. Quoi, le 45e parallèle, c'est la ligne Maginot? Mais non. Connerie, ça. D'où tu parles? Tout. Je vais passer parce qu'elle est longue, quand même. Elle se répète assez, quand même. Ok. Ouh. En tout cas, il y a beaucoup de montagnes. Wow, la vache, c'est super joli de ouf. Mec, c'est vers chez moi, poteau, bonsoir aussi. Ah ouais, mais du coup, c'est vers où? Parce que je sais pas où t'habites, Twinkie, précisément, je suis désolé. C'est super joli, mec. Regarde ça. Je suis sûr, mec, il y a des meutes de loups de haut niveau, là, tu peux farm de ouf. L'Isère. Ah oui, l'Isère. C'est par là. J'attends qu'ils disent oui. Ah, l'Isère. Ah oui, Montpellier. Ah. Bien sûr. En bas à droite de Lyon. Ah, d'accord. Ouais, parlez comme ça. C'est où Lyon? Ah, c'est là. Bah, c'est où? Jura, c'est lequel le Jura? C'est là ou là? Jura. C'est où Jura? C'est là Jura? C'est vers Chamonix.
près des Alpes. Mais c'est quoi les Alpes? Mais arrêtez! Mais dites à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, mais vous faites chier! Ah oui, c'est de... à côté de Grenoble, juste en dessous de Saint-Étienne. Mais j'ai aucune idée d'où c'est, moi! Sous les Vosges. Ah, oh, quelle bande de connards! C'est là, là? Vas-y, c'est là. Ouais, super. Eh ben, écoute, sans borne. Bah, vous avez dit là alors que c'était là. Les mecs, réfléchissez un petit peu, la Suisse. C'était... Mais non, t'avais pas dit Grenoble. C'est même pas là, Grenoble. Si, c'est là. Bon. Mais ta gueule. Eh, c'est pas mal. On a... Oh là. On a fait un moins bon score que sur la map du monde, mec. Non, il y en a qu'on dit en dessous de Grenoble et il y en a qu'on dit à droite de Lyon. Alors moi j'ai mis à droite de Lyon, je suis désolé, ta gueule. Allez, un autre petit coup de France là. C'est hyper, je suis chaud pour la France, moi. Oh les connards, Master Shooter. C'est quoi ça, c'est par où? Pau, Bayonne et Pamplune. Pamplune. C'est où Pau? C'est où? Ah là, ici, là, j'avais raison. Pau, Bayonne. Pau, Bayonne? Bayonne, c'est par là, Pau. Il va y avoir un rond-point, je suis sûr que c'est à côté de Tarbes. Tiens, c'est ici. Eh, pas loin, franchement. C'était à côté de où? À côté de Perro. Ouais. En dessous de Belloc et de Puyo Puyo. Oh, Puyo Puyo, j'adore ce jeu. C'est à côté de Saint-Cric-du-Gave. Eh, mais c'est n'importe quoi. Eh, mais dans vos régions, vous faites n'importe... Pouillon. Non, mais Pouillon. Je suis désolé. Mimbasté. Yeah, Wakanda Forever. Soniac et Cambran. Estibo. Dax. Naros, mais concentrez-vous un petit peu pour vos noms, s'il vous plaît, quoi. Saint-Vincent de Tyros, Sourtos Courtes, n'importe quoi. Alors que regarde, tu regardes en Bretagne, on a que des jolis noms, regarde. Regarde, si tu regardes ici, là. Oh, Pontivy, Rohan, Bubri, oula, Languedoc, Azizex Christ, eh oui, que des jolis noms. Alors, où est-ce qu'on est ici? Ouh, ça, c'est une grosse ville. C'est Rennes, ça, non? Noisy-le-Sec. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais qu'est-ce que c'est que ces... Déjà, c'est en région parisienne. Mais qu'est-ce que c'est que ces... Ah, mais non, mais ça, carrément que c'est Paris. Donc ça, c'est le Japon. Mais en plus, c'est chinois, c'est pas japonais. Donc ça, c'est... Ouais, c'est chez Foxy, du coup, parce qu'il a habité Noisy-le-Sec avant. Oh là 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 là. Putain, mais alors, le bled, quoi. Oh, pff, l'énorme dealer. Oh là là. Attention les amis, dans le bus derrière. Les enfants, gardez vos mains à l'intérieur des fenêtres parce que sinon ils vont les manger. Donc faites gaffe. Faites gaffe quand même. C'est... Oh là là, putain, mais c'est quoi ce... Merde, attends. Regarde, mec. Dramé textile. Qu'est-ce que... Mais gars, Tu regardes la... Regarde la photo comme ça et dis-moi que ça ressemble pas aux Philippines. Franchement, gars. Non, mais c'est vénère, quoi. C'est vénère comme coin, mais putain, j'aimerais tellement pas vivre là-dedans. C'est vraiment des bleds que je peux pas supporter, quoi. Riad textile, tissu africain, bagagerie, chaussures, linge de maison, parfum, bijoux. Je suis sûr que ça, les magasins africains, c'est le genre de magasin, ça sent super bon quand tu rentres. Je sais pas pourquoi. Oh, kebab, venez les mecs, on va s'en faire un. Allez hop. Salade, tomate, oignon et trois saucissons. Tu mets trois saucissons dedans au Beaufort. Ok, bon, bref, c'est Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, c'est. Fais rire à chaque fois. C'est où le 9-3? Saint-Denis, c'est par là? C'est où Noisy-le-Sec? Épinay? Franconville? En haut à droite. En haut à droite. Roissy en France? C'est plus par là? Bobigny? Est? C'est Noisy-le... Ah, il y a Noisy-le-Grand, donc Noisy-le-Sec doit pas être loin. Ils vont pas séparer les deux Noisy, quand même. Noisy-le-Cul. C'est plus loin? C'est plus... Non, on arrive à Coulommiers, là. Ils font du très bon camembert au Coulommiers, j'adore. Près de Bobigny. Mais de quoi... C'est où, Bobigny? Bobigny, c'est où? C'est quoi, Bobigny? Bobigny, oh, déjà, le nom, rien que le nom, je suis désolé, ça me fait vomir. Ponto Combo, Lyon. C'est ce qu'on dit des fois quand je joue à SF5. C'est putain, mais poteau combo un peu. Ah bah, je suis désolé. Clichy-sous-bois, oula. Bobigny. C'est frustrant à voir. Noisy-le-Sec, c'est un peu genre à droite de Noisy-le-Grand. Bobigny. Clichy-sous-bois.
Ville Vaudée, on l'a vu ? C'est où Moisy le cul ? J'aime bien ce... Ah bon, on le voyait ? Où ça ? Oni sous bois, Clichy sous bois ? Ah oui, là ! Les gars, les gars ! Calmez-vous, j'ai Est-ce que on peut trouver les tissus africains, là ? Vas-y, c'est dans le coin, là. C'est Tipa. Oh bah 6 km. J'étais... Bah j'étais à Aubervilliers. Bah on a pas l'air con. On a pas l'air con maintenant. Champion. C'est où ça? Oh ça c'est la Vendée ça aussi non? Ou genre le sud, enfin y'a du soleil. Y'a du soleil en petite bouteille là-dedans, c'est obligé là. Bretagne, mais on a pas de palmier en Bretagne mais... Attention aussi à rue du Sgueg ou un truc comme ça. Avenue Bellevue. Oh c'est Villepinte. C'est vie sérieux. Oh putain, on vient écraser la mec. Attention monsieur, non. Ah non, elle est juste là. Ah non, c'est une femme. Oh, elle est dégueu, hein. C'est pour s'habiller, ça regarde énergie douce. C'est Villepinte. Mais c'est pour une... C'est une blague, Nick Nick, ou c'est pas une blague? Ça ressemble à mort. Ok, bon, on va suivre Nick Nick. C'est où Villepinte? C'est vers chez toi? T'es pas vers là, là? T'es vers là, toi, non? Villepinte. C'est pas dans le coin, là. Flamand, non. Port-Bail. Oh putain, c'est ici qu'on a... On a une maison là-bas à Port-Bail. Et enfin, avec mon père. Et on allait à la plage là-bas. C'est l'horreur, mec. T'as un vent qui te fouette la gueule à un niveau supraluminique. Et c'est où T'as dit quoi, Villepinte? C'est quoi Villepinte? C'est par où Villepinte? Plaisir. Yeah boy, I'm taking you to pleasure, motherfucker. Spread them out and give them to me, boy. Fais voir. Ah, c'était pas tout à fait au bon coin, mais bon, écoute, c'est pas. Ah, boy, I'm on a ticket to pleasure, boy. A2M, ass to mouth, poil scandinave, poil scandinave. T'en fais un beau point de... C'était bien ville... En tout cas, oui, c'était complètement Villepinte, Nick Nick, bravo. Oh, y a Speed Racer. Pas trop vite, Nami. Oh, elle a pris ses deux bâtons, elle va deux fois plus vite. Alors, où est-ce qu'on est, là? Je regarde un petit peu, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble encore à la région parisienne. Ils font chier avec leur région parisienne. C'est quoi? Passage surélevé. C'est vers où ça? C'est en région parisienne? Vos gueules dehors! Ça aurait... Ils m'ont entendu. Non, je parle beaucoup trop fort en fait. C'est quoi ça là? Oulo! Aigremont, village ami de toute génération. Ouais, village de vieux quoi. Aigremont, dis donc. Aigremont! C'est où ça, Aigremont? Ça vous dit quelque chose, Aigremont? Aigremont, c'est rigolo comme nom en tout cas. Ça sent bien le village de vieux où il se passe rien. Ouh! Cet abribus, ça pue l'Alsace. C'est où l'Alsace? C'est là, non? Ça pue l'Alsace, je suis sûr que c'est dans le coin, là. Bitch, je suis sûr que c'est à Bitch. Aigremont, je suis sûr que c'est dans le coin, mec. Peut-être pas si loin que ça, parce qu'il y a quand même... Oh, Marmoutier, c'est comme Noirmoutier, mais le mec, il a mal écrit. Yvelines. C'est où, les Yvelines? C'est pas en région parisienne, encore, hein? Je t'avais dit que c'était un bled de merde en région parisienne. C'est où, les Yvelines? C'est au sud? De Paris? Oh, Melun! T'as dû prendre Île-de-France. Non, non, j'ai juste pris France! Gauche, je crois, à côté. On avait dit que ça s'appelait comment? Non, c'est pas Suresnes. Marly-le-Roi. Fourqueux. Fourqueux, c'est vrai, je viens de le prononcer, c'est marrant. Je sais pas, tiens, on va dire que c'est à Plaisir encore. Oh! Oh, Diborne! Ah, c'est pas loin de Plaisir. C'est vraiment... Non, ta gueule. C'est vraiment pas loin de Plaisir, Aigremont. Ah, il y a un centre commercial Carrefour Chambourcy en plus. C'est cool. C'est meilleur que le Chamboursin. Oh la vache, Pripyat. Vas-y, c'est où? C'est dans le coin, là. Attends, Ukraine, Pripyat. C'est où? C'est ici, c'est obligé. C'est où? Franchement. Oh, ah oui, non, c'est vraiment la région parisienne, en fait. Ça fait chier. Attends, on va essayer l'autre map. On va essayer l'autre map. France. Non, pas Frac. Frac. Mais attends, il y a des maps... attends, il y a des vraies maps, en fait. France... Created by Mapper. 500 000 lieux en France métropolitaine. France Lyon. France Bretagne. C'est Tipa. Allez, c'est Tipa.
tous ressemblent en Bretagne, je suis mal barré. Ça, c'est aucune idée, quoi. Ils ont pris des... C'est qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, y'a l'homme en rouge. Y'a l'homme en rouge, mec. Ça, c'est Bretagne Sud, ouais. Ça, c'est clairement Bretagne Sud. Avec les champs et tout. Non, ça pourrait être... mine de rien, ça pourrait être aussi les Côtes d'Armor. Les maisons comme ça, là. L'Oudéac. Mais qu'est-ce que tu sais de l'Oudéac, toi, mec? Je sais pas si c'est Bretagne Sud. Tu crois que c'est Bretagne Sud, ça? On va faire vite, parce qu'à la Bretagne, ça parle pas beaucoup à grand monde. Non, c'est pas près de Vannes, c'est par là. Tac. Oh, bah, non, c'est à côté de Vitré. C'est là que je suis né, moi. C'était pas du tout là, du coup. Ça, c'est où? Oh, ça, c'est Bretagne Sud, ça. Tac. C'est où, tranquillos? Hop, yes. Ça, c'est où? Oh, ça, c'est Bretagne Sud, ça. Oh, ouais, ça va être par là, je pense. Ah. C'est bien, ça me perd. Ah. Eh ben j'ai pas avalé, je goûte mon con. Ouh, 19 bornes, ah, c'est pas loin de Vannes. C'était où? À Plaudrin. Ah, j'avais mis mon point sur Questembert, dis donc, c'est là où j'ai eu mon lycée. Speedrun de la Bretagne, poto, qu'est-ce qu'il y a? Oulo. What? Mec, c'est un super... C'est le truc pour faire les collisions entre atomes, là. C'est le CERN. C'est quoi cette merde? Wow, mec. C'est où ça? Ouh, ça c'est vers là ça. Ah non, c'est à côté de Carnac. À Belz. Belz. C'est un mot con. Ouf, Bretagne Sud, direct. Direct Bretagne Sud. Fous-moi vers. Attends. Non, non, pas Rochefort, pas Rochefort en terre. Bain-sur-Oust. Non, non, ce serait plus vers. Putain, c'est où? Ah, j'ai aucun sens d'orientation. Ambon. Non, 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 pas Pénestin non plus. Pénétin, pas Pénestin. Bignan, putain, attends. Pleurmel, ouais, c'est près de Pleurmel. Je suis sûr que c'est dans le coin là. Ouais, bah c'était pas loin. Franchement, c'était à Pleuc-sur-Lier, franchement, à l'aise. À l'aise, tranquillos. Ouais, faire une autre map. Hein. On va repartir sur la France générale parce que c'est plus simple. Created by Mapper. Et bah c'est hyper, ça, apparemment c'est very easy. Bienvenue en France, explore the land of gastronomy from Paris to the city of light. Paris, the City of Light, to the Island of Réunion, Old Villages, Coastal Landscapes, Tall Mountains, so much to see, so zone of unpicked place, no photosphère. Ok. Eh bah, ben, let's go, photo, je suis chaud. Alors, ouh, c'est quoi? Y'a un nom, là? La goupillère. La goupillère. Ça dit à quelqu'un, la goupillère, ou non? Est-ce que ça dit à quelqu'un? Ouh là là, c'est encore en Bretagne, ça, non? Normandie 100%, tu crois? Argentine? Mon cul? Ouais. Ha 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 ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Hi ho ho. Le domaine. Ouh. Oh, un château d'eau. On a les mêmes buissons, j'avoue. Allez. Par analyse de buissons, on va foutre ça en Normandie. C'est là la Normandie, hein. On est d'accord? Vas-y, on va foutre ça ici. Putain, Nick, il a reconnu les buissons, mec. Nick, il a reconnu les putains de buissons, je suis sûr, mec. Ah, oh, le beau gosse. Le beau gosse ultime. Oh, ça, c'est le nord. Ça, c'est le nord direct, ça. Regarde la tristesse qui se dégage du paysage. Ça, c'est... Oui, nord. Nord direct. Nord direct. Non, oh, oui. Oh, les grosses fumées. Ah, ouais, ça, Tel Aviv. Ça, c'est le nord direct. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Jet Set. Okay. Oh putain, là. Oh la vache, regarde-moi ça. Oh, putain, j'ai eu peur. Regarde ça. Il y a un gros problème radioactif dans le coin, là. Regarde. Avec la chanson, en plus, c'est terrifiant. Hein. Oh. Oh putain, ça me fait des frissons, ce coin-là de la France. Je trouve ça vraiment dégueu, quoi. Allez vers Lille, on va Valenciennes ou un truc comme ça. Roubaix, Tourcoing. Oh. C'est à côté de Amiens, c'est à Epville, Ham, à côté de Jambon. Et Muy-Villette. Oh, c'est super chiant à prononcer, disons. Aubigny-Auquen, Fluquières, Vaux-en-Vermandois, Beauvoise-en-Vermandois, Colincourt, Beauvincourt en Vermandois, ou alors Vraigne en Vermandois. Dis donc, il y a beaucoup de Vermandois ici. Et ils l'ont, Vermandois, ça sent la merde. Neuville-Bourgeonval, j'adore ces noms-là.
Je trouve ça génial. C'est le seul point positif de ce qu'on a de la France. Alors voyons voir où est-ce qu'on est. C'est super joli en tout cas. Ça, c'est pas genre le Cantal ou une connerie comme ça là. Oh, c'est beau. Non, c'est des vignes ça. C'est pas des vignes ça. Si, c'est des pieds de vignes. C'est le sud ça. Mais non, c'est pas Bretagne Sud. C'est où ça? Attends, il y a un truc. Rabelais au champ sur Layon. Sur, je crois que c'était marqué Lyon en mâle, mais non. Vignoble du Breil. Champagne Ardèche, j'ai aucune idée d'où c'est. Coteau du Layon, vin d'Anjou, chez Gaston. Oh, chez Gaston. Je suis sûr que, mec, chez Gaston, tu dois bouffer de ses steaks. Foie gras confit magret. Là-bas? Allez, on y va. Les gars, on va se faire un petit foie gras magret confit. Vas-y. Mon daron, il adore le coteau du Layon, c'est vrai? Son pinard préféré. Ah, attention, je m'en fous, moi je veux juste du. Personnellement, je veux juste du foie gras, j'ai extrêmement faim en plus là. Where is the foie gras? Oh yeah! Oui, foie gras! Absolutely! Le clos du Breil, traiteur. Oh putain, c'est trop bien ici, mec. J'ai envie d'aller manger. Ah, le clos du Breil, ok. Nantes. Mais non, c'est pas Nantes. On dit quoi du coup? On dit près de chez Momo. Mais il y a pas autant de soleil près de chez Momo. C'est ici les foie gras confit magret, ferme agricole du Breil râteau. On peut aller là-bas là? Non mais là-bas en vrai. Putain, je piffe, hein, c'est pas à côté de Nantes ça poton. Il fait bien trop beau pour être à côté de Nantes. Je sais, j'habite à Nantes et c'est dégueu. C'est pas loin de chez moi mais je sais pas où c'est exactement. Vas-y, on va dire par là-bas. C'est où Angers? Là-bas? Non, non, ici là. Voilà. Allez, je m'en prends un petit verre de Pepsi Max et on est bon. Fifi la famille. J'ai vu une map que Joël de Vinesauce avait fait aussi sur la GeoGuessr. C'est uniquement des McDo. Il te met à différents endroits du monde où il y a des McDo et faut reconnaître où t'es. Et je pense qu'on va faire ça après. Ouh, Momo. C'était à côté de Faye d'Anjou et Rabelais sur Layon. Entre Toircé et Saint-Lambert du Latte. Tu vas prendre un café, je vais prendre un latte. Saint-Aubin de Luigné, chaud de fond sur Layon. Mais arrêtez, Saint-Georges des Sept Voies, Les Rosiers sur Loire, Saint-Clément des Levées, mais arrêtez. Il y a un nom, ça suffit, hein, regarde. Pas là, Monterre-Blanc, là, la Vraie Croix. Mais la Vraie Croix, c'est pas pareil. Plecaduc, Saint... Ouais, on a pareil, en fait. on a pareil. Mon cul sur la commode. Ouf, c'est quoi ça? Département de la Loire. Ah bah voilà. Écoute, ça c'est fait. Donc c'est en Loire. Après, c'est, la Loire, ça peut être plein de trucs. Hein. La Loire, c'est grand, la Loire. Hein. C'est quoi? Écho, ok. Loire. Ah, merci. Oh la vache. Oh, il y avait un ED. Mec, elle date de quand, les photos? Mec, elle date de quand les photos, gars? Oh, c'est ouf! Oh, putain, man! Ah, oh, c'est vénère, c'est vraiment un ED, gars! Un ED! Mec! Ah, t'as vu, ils ont remplacé les ouvertures, quand même. Ils ont fait un truc plus propre, c'est vrai que le bois blanc, comme ça, ça se détache un petit peu. Ils ont pas remplacé la vieille horloge. Vieille horloge qui était très neuve dans les années 1800 apparemment, et là, qui se pète intégralement. C'est ouf, hein. C'est ouf de voir ça, gars. Je trouve ça génial, moi. Je trouve ça vraiment, vraiment ouf à voir comme ça changer tout un quartier. Bon, c'est où? C'est où la Loire? C'est vers chez moi, la Loire, non? C'est pas genre une bête pourrie par là? Tiens, ici. Mais attends, c'est quoi la Loire? La Loire, c'est tout ça là. Moi, je croyais que c'était ça. Mais pourquoi c'est la Loire ici aussi? Ça, c'est la Loire. Ah oui, putain, c'est la Loire aussi, ça. Ah oui, c'est super grand, la Loire, en fait. Ah oui, mais c'est parler du fleuve, pas de la région. Ouais, ouais, parce qu'elle fait ça, en fait. Et elle fait tout ça comme ça. Oh, c'est chaud de ouf. Toi, t'es en Loire-Atlantique. Ah oui, ça c'est le Loire des Clodos, du coup. En Loire de Clodos.
C'est quoi ça? Ah, ça c'est Bretagne Sud direct. Ça c'est par là. Dans le Périgord. Attends, on se refait une France. On se refait une France tranquille, d'accord? On se refait une France tranquille. Ah non, ça c'est encore la région parisienne. Ça, il fait chier avec ça. C'est le même que tout à l'heure. France, tiens, une autre. Et on fait tranquille, d'ac. Ouais, ça a pas l'air top, mais c'est pas grave. Bretagne Sud. La Loire, ça traverse toute la Gaule. C'est la Gaule. Oh, les pauvres vaches, regarde, elles sont dans la merde. Elles ont faim en plus, miam miam. Je suis en train de lentement devenir taré, je crois. Vas-y, il y a un nom de bled. Je crois qu'il y avait un nom de bled, là. Apparemment, le panneau a disparu. Ah non, si, là. Villiers-sur-B. Villiers-sur-B. Commune de Bérou. Bérouvrou. Bérouvrou. Villiers-sur-B. C'est quoi B? C'est sur Biroute. Pour te repérer, si jamais tu vois ton numéro de téléphone fixe, 01 c'est Île-de-France, 02 c'est Nord-Ouest, 03 c'est Nord-Est, 04 c'est Sud, 05 c'est Sud-Ouest. Intéressant. Intéressant. Waouh! Donc si on est à Villiers-sur-Bouboule. Villiers-sur... Oula, j'allais dire un autre très gros mot encore. Oh! Regarde, elle bouge pas. Une jambe. Deux. Ah non, on a posé l'autre jambe. Mamie. Wow, mamie, elle fonce pas trop. Mec, on a fait 50 mètres, elle a pas bougé. Mamie, fonce vite. Beuvron, Clamcy, Taconnet, Brinon sur Boub. Brinon sur Boubi. Mais y'a des ganados. Des traces, des teams, des fils. Biroute sur Popiette. C'est quoi comme plat? C'est un plat du sud, ça, la biroute sur Popiette, je prends, moi. Mais recul. Ouais, elle fait une manœuvre pour rentrer chez elle. Ah, bah voilà, c'est l'appartement de Yana. C'est quoi cette petite pièce? C'est un forastero. C'est quoi cette petite pièce, là? Où est-ce qu'on est, là, putain? Ouais, mais l'appartement de Yadar, hein, peut-être qu'il est petit, mais lui, il a moins chaud que moi. Hein. Moi, chez moi, là, franchement, j'ai encore mon ventilo, alors qu'il a fait 12 degrés toute la journée et qu'il a plus... Une cabine téléphonique, mec! Il y a une cabine téléphonique. C'est pour parler, tu vois, de l'avancement de ce putain de bled. Il y a une cabine téléphonique. La Roche. Oh putain, mec, la cabine. Je m'y attendais pas à la cabine téléphonique, je vais vous admettre. Taconi et Brinon sur Bourse. Putain, c'est où ça? Milieu de la France. Verrou, vous diriez Verrou, vous les gars. Est-ce que vous avez déjà pu vous faire un petit avis sur le coin que ça peut être là? On va jouer vous. C'est vous qui allez jouer cette fois-ci parce que moi j'ai beaucoup joué, j'ai eu pas mal de scores. Faudrait qu'on fasse une soirée où on fait vous contre moi. Genre moi je fais une map et vous en faites une. Vous voulez qu'on fasse ça sur McDo? Et après je pense que je couperai. On fait une partie où c'est moi qui joue et une partie où c'est vous qui jouez. Et ensuite on compare les scores, d'accord? Milieu Est vers Mâcon. Milieu Est vers Mâcon, c'est où Mâcon? Par là, Dijon, Besançon, Beaune, Autant, Montbard. Un petit Montbard. Je sens que c'est pas loin de chez moi, c'est la merde. Ouais, mais ça c'est vraiment... En fait, ça pourrait être... Tu prends le carré là, tu fais bip, 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 ça peut être tout là en fait. Pas loin d'Orléans? Genre là? Non, là? Oh! Pas si éloigné que ça non plus, hein! Pas si éloigné que ça non plus, hein! On était à Varzy, à côté de Beuvron. Ah, c'est Beuvron du coup. Saint-Germain-des-Bois, Quincy, les Varzy, n'importe quoi. Comme Eric a Ramzy, Parigny, la Rose, Brinon sur Beuvron, Michourougue. Bussy l'appelle Corvol des bandards. N'importe quoi avec vos yeux. Qu'est-ce que c'est que ce coin ici? Des voitures qui explosent. Protégeons notre flore. Ta gueule, ouais. Protège que dalle, plante des piles dans la terre, tu t'en bats les couilles. C'est quoi ça? Ça c'est de la merde. Il est bien ce thème là. Greylancer, je sais pas ce que c'est. Ok, Notre-Dame-des-Landes. Tu crois que c'est Notre-Dame-des-Landes? Mais non. Ah non, tu parles de... Angle sur l'Anglin?
grand spectacle pyromélodique, festival du livre. Oh, mec, eh, c'est ouf, je veux y aller, mec, au festival pyromélodique, mec. Pyromélodie, quoi. Angle sur... Ouais, mais à quoi je m'attendais? Angle sur l'anglin, ça vous dit quelque chose? L'anglin. C'est l'anglin. Oh, c'est un petit village fleuri, en plus. Conseil national des villes et villages fleuris. Eh, j'aimerais bien bosser là-bas, moi. Je serais trop fort à repérer s'il y a des fleurs ou pas. Rock aux sorciers. C'est un concert de Nightwish. Angle sur l'anglin, obligé, c'est pareil que l'autre milieu de France, tout paumé. Vienne ou Haute-Vienne, c'est Poitiers. J'ai aucune idée de quoi vous parlez, mec. Vienne, Haute-Vienne, le Bellevue, bar tabac, presse, épicerie. Cette rue de l'église, y a pas de code... Non, y a pas de code de département, ni que dalle. Putain, mais ça ressemble à n'importe quel petit bled français, quoi. Y'a le stade, y'a le... Tout est fermé, y'a rien d'ouvert, et les seules lumières qu'il y a, c'est celles des lampadaires, alors... On fait les caïds, c'est... On fait les gros... Oh, la roche posée. On fait des gueutes au marqueur ou au blanco, Aurélie est une salope. Comment tu sais ça? Parce qu'il couche avec tout le monde sauf avec moi, ici, les relations humaines, c'est l'abîme, ici, pour se marier, on crache pas sur sa cousine. La roche posée, c'est des médocs. Saint-Pierre de Manier, Chauvigny, Val Expo Territoire et Création, Château Salcombe, Stade PMU Boulangerie, c'est le trio français, une petite pharmacie pour les petits vieux. Ah non, il y a quand même une galerie d'art, donc c'est quand même des gens qui sont un petit peu éduqués. Viklug et La Roche P. Y a rien, ça vous dit, tu t'attends à croiser la Wehrmacht? ça dit rien à personne. Bar crêperie. Oh, une petite crêperie. Oh putain, je me taperais bien une petite chocolat banane là. Oh, y'a une épicerie planquée derrière, on peut rentrer là? Wow, mec. Oh putain, c'est quoi cette épicerie de... Oh mec. Oh, c'est vénère dans le coin. Vas-y, passe. Mec, on est en train de voir des jolis petits bleds. Oh, l'église. Oh, c'est mignon comme tout. Oh, regarde. Si c'est pas joli, regarde. Mec. Oh, il y a un vieux château. Venez, on va voir le vieux château. Ouais, on fait des touristes, on s'en fout. Attends, je veux voir le vieux château, moi, mec. Je suis sûr, c'est super joli. Oh, mec, les vieilles tours. Il y a encore des cabines téléphoniques. Oh, on a trouvé des petits vieux. Regarde, si c'est pas joli. C'est pas mal comme quoi, non? Vous avez entendu comment il... Posez le mec en live, il vomit. Posez tranquillou, mon gars. Oh la vache. Ok. 3 tomates cerises qui sont sorties avec. Ah, j'ai sorti tout le paquet, mon gars. Les 92 centimes, j'ai sorti direct, quoi. Ok, vous avez dit Poitiers, c'est ça? Tranquille, il lâche un petit vomi. Écoute. Ok, alors. Vous dites Poitiers, c'est où Poitiers? Ah, c'est Sapporo, c'est au Japon, tranquille. 1 heure est de Poitiers. Je suis en train de passer. Alors attends, c'est pas cette terre-là, ça c'est Earth 2099. Ok, on est sur celle-là. C'est où Poitiers? Poitiers, c'est par là, non? Lyon? Dijon? Non, je sais pas où c'est Poitiers. On m'a dit des milliers de fois où c'était Poitiers, j'ai oublié. Sud? Toulouse? Montpellier? Gap? Bordeaux? Est? Sud-Est? Poitiers? C'est en dessous de chez moi. Mais sud... Ah, Est! Non, Est, c'est là. À l'ouest de Limoges. Mais vous dites des choses, les mecs! C'est où Poitiers? Orange. N'importe quoi, mais une ville ne peut pas être une couleur. Oh la gueule, mais vous dites des trucs différents. Momo, il dit en dessous de chez moi. Momo, il est là. Il dit, ah oui. Loche. Vas-y, on va... Ah, les chamblards. Oh, mais non, c'était pas loin de Loche. C'était à Angle. Bah oui, Angle sur l'anglais, je savais en plus. Vic sur Gartempe. Bah ouais, c'est compliqué aussi la géographie. Vous allez me défoncer quand on va faire un truc entre nous, les gars. Vous allez me défoncer. Y'a Loche et Bonne. Chamblard sur Saône. Oh, y'a un vieux qui pisse. Ah non, c'est un vieux. Oh, il est vache. Il est marrant. Eh, bouge pas trop, tonton. Hein. On va pas te faire un clap. Il s'est téléporté.
Mec, il y a Le Pen, il s'est TP, mec. Omae wa mo shindeiru, il va être là, du coup. Il sent un ganado. Sortez de mon champ, saloperie de technologie. Putain, j'aimerais en voir un avec un gun. C'est quoi? Oh, une petite boîte bleue. Un petit seau pour faire caca, les mecs sont pas fous, hein. Ok. Putain, mec, c'est compliqué, là. C'est complicado, complicado. Oh là là, on s'approche de quoi, là? Ok, ça, c'est un mur. Il y a tellement eu de fusillade ici, mec. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont morts contre ce mur-là en 45. À Bolaire. J'y habite à Bonne. Arrête. Y'a pas des maps spéciales avec des gens qui menacent ta voiture Google, tu penses? Putain, tu crois que ça existe? Attends, on va voir ça après, on va voir ça après. On fait notre petite compétition entre nous, les gars. Je vous éclate, et ensuite on regarde s'il y a des maps rigolotes, d'accord? Là, on a 3 sur 5. Putain, mais c'est où? Vas-y, on va choisir un truc au hasard. Ici. Dab. Entre Dunkerque et Toulouse. Ah, ouais, c'est bon, je suis bon. Alors, c'est ce que j'ai mis, Voltix. Ah! Et non, c'était même pas entre Dunkerque et Toulouse, c'était après Toulouse. Comment t'as fait pour avoir faux, espèce de gros loser? Oh, quelle merde, ce mec. Spammez-le, le gros loser. Pour qu'il comprenne son erreur un petit peu, là. Alors, c'est où, ici, là? Hôtel de parc. Château. Château quoi? Château d'Arc en Barrois. Pff. Mais suce-moi le cul. Maison Paulin. Ils avaient pas de place. Maison Paul, c'était déjà pris. Ils ont dit Maison Paul 1. Comme ça, c'est tranquille. On fait du cyberbullying. Ah bah, ici, complètement. Mais déjà, vous me bouliez à chaque fois que... Oh, pas revendu. Vous me bouliez à chaque fois que je stream. Alors, écoute, c'est un juste retour des choses, hein. Je vous encule. 0325, c'est vers chez toi. Je sais pas où t'habites, Biob. Champagne. Je sais pas où c'est, la Champagne. Ça va, le début de rap, Babobab. De quoi? On va appeler les bouliers. Boumaillé. The bird machine. C'est vieux, ça, bird. Ouh. La Champagne, c'est dans le gosier. Ah, ouais, d'accord. Domaine de Val... Quoi? Val-Bruand, comme Aristide. Nord-Est. C'est ça, la Champagne? Vers Rouen? Bah non. Nord-Est. Là? Bah non. C'est la Normandie. Chalençon-les-Bercets. C'est où la chambre? Est. Ah, Est. Est. Oui, ça va. Est. C'est vers où? Là? Ouais, non. Non, t'avais tort. T'avais tort, c'était à côté de Château-Vilain, en plus. Et de Arc-en-Barrois, et de Bunière. Et de Aubepierre-sur-Aube. Et de Vauxhall-sur-Aube. Ah, ils ont tous des Lotus, là-bas. La prochaine fois, dites pas Est, mais chez les nazis. Bah oui, j'aurais compris, au moins. Oh! C'est quoi, ce bordel? Mec, il y a eu tellement de viols là-dedans. Ça me fait peur, des fois, de voir des petits bâtiments abandonnés comme ça. Oui. Je sais pas, j'ai envie d'aller dedans et voir s'il y a des trucs. Je sais pas, ça me rend curieux. J'ai envie de faire de l'urbex dans ces conneries, moi. C'est la Champagne. Ah, oh, bah d'accord, c'était la fin du monde. Ok. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ça, en Bretagne, ça, non? On arrive à la fin du monde, ma poteau. Un jour, on va vous faire une vidéo où la Mégaforge fait de l'urbex, vous allez tous voir flou. Il y aura Spider, Adwim, Momo et Yadar, ça va être une catastrophe, il y en a deux qui vont claquer. Ok. Comme le centre médico-social, eh mais mec, mais totalement pareil, mec. Totalement pareil, qu'est-ce que c'est que cette merde? Même les mecs de Google se perdent, le mec il a pris sa route, il a fait pop-pop. Michel, on est en train de faire une connerie, on va se faire égorger par des vaches ou je sais pas quoi. Auvergne. Tu crois que c'est l'Auvergne? Je suis allé en Auvergne quand j'étais petit. Dans un village qui s'appelle Coltine. Et tout le monde s'était foutu de ma gueule parce que j'avais... En ce moment, pendant qu'on était parti, si tu veux, enfin, quand on allait partir, mon père m'avait offert un guide de survie de l'armée américaine. Et pour le fun, tu vois, parce que je partais en voyage. Et moi, je l'avais pris, tu vois, parce que c'était super cool. Il y avait des illustrations de malades et tout, tu vois. Et du coup, tout le monde rigolait. Je fais, mais pourquoi vous rigolez? Il est bien, mon livre. Et Jonathan, il a fait, mais pourquoi t'as peur d'aller en voyage? Pourquoi t'as pris un guide de survie? Et j'ai fait, ah, mais non, mais c'est juste parce que c'est comme ça. Non, on n'a pas fait de l'urbex. En fait, c'était à l'IRL, chez Drektan, du coup.
On était en ville, on essayait de chercher un tabac. Déjà, c'est un truc de fou parce que t'as un tabac dans ce bled-là, si tu veux, c'est improbable, quoi. Et on était en pleine vie, en plein village, le village, mais c'était le village de Resident Evil 4. Il y avait personne, il y avait des vieux qui se baladaient, les volets qui se ferment. Il y avait des oiseaux morts partout, par terre, mec. Je vous promets, il y avait une dizaine d'oiseaux morts. On a croisé une dizaine d'oiseaux morts partout dans le village. Il y avait des cuillères, des chaussettes, c'était n'importe quoi. Et à un moment, on se balade et on tombe sur un bâtiment complètement désaffecté, dégueulasse, avec les vitres pétées et tout rouillé. Et c'était un centre médico-social. Et c'était ouvert, et c'était condamné, je te promets. Et on rentre dedans, mais qu'il y avait des traces de sang partout, des bidons où il y a eu des feux, ouais, encore des oiseaux morts. Il y avait un moment, on se balade avec Momo, on rentre dans une espèce de genre de salle de bain. Il y avait du sang partout sur le mur et dans le lavabo. C'était n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait deux vidéos dessus. Il faudrait que je les publie sur Twitter parce qu'elles sont vraiment trop trop bien. Mec, c'était n'importe quoi. En plus, donc il y a eu deux vidéos en fait. On est rentré au premier étage et ensuite on est ressorti pour rentrer au deuxième étage. Fontaine la Gaillarde, vous allez connaître ça. Pour aller au deuxième étage et quand on est rentré, mec. On est rentré dans la pièce, la porte elle s'est claquée derrière nous, mec. Je déconne pas. On est rentré, ça a fait clac. On s'est tous retournés, on a tous commencé à baliser. C'était catastrophique. Je te promets, mec, c'était un truc de fou. Ok, alors Fontaine la Gaillarde, c'est quoi Fontaine la Gaillarde? C'est de la merde, tiens. J'ai envie de faire le truc du McDo tout de suite. Oh, 100 km, j'étais pas trop loin. C'est marqué quoi? Monibar? Ah non, Monbar. On a déjà passé tout à l'heure. Ok, alors faut que je trouve la map avec les McDo. McDo. Mais non. McDonald's. Il y avait une. Non, comment c'est écrit? McDonald's. McDo. C'est comme ça que c'est écrit? Ah, where the McDonald's. Ok. Il y a combien de. Ah, mais il y a que 9. C'est de la merde. Mais. Ça s'écrit comme ça? McDonald's. Ça, celui-là. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Enfin, plutôt les Buffalo. Russian obligé, il était en mode défense, le premier truc qui lui foutait un Uchimata. Franchement, j'étais plutôt chill en plus. Je disais, c'est vraiment bizarre, tu vois. Mais j'ai pas trop paniqué, tu vois. McDonald's. Ouais, c'est un peu mieux peut-être. C'est un peu mieux. Ok. Vous commencez? Allez, vous commencez, d'accord? C'est Tipa. Ok. Ils ont un McFleury au durian, mec. C'est votre partie, alors vous avez intérêt à bosser ensemble pour essayer de trouver quelque chose. Ah, bon bah déjà. Déjà, franchement, j'ai envie de dire, c'est quoi le durian? Le durian, c'est un genre de fruit qui pue sa grosse race. Singapour, ouais. Oh là là. Alors, vous pensez que c'est où à Singapour? Je vais me balader un petit peu. Et je vais pas trop regarder de détails, je vais juste me balader un petit peu comme ça. Genre, c'est vous qui jouez. Oh là là. Ouh. C'est joli, Singapour. Oh, un hôtel. Kangli Mineral Kingdom. Doudidoudidou. Bah, au McDo. Ok. C'est pas censé être joli, Singapour. Mais ça doit être joli, mais là, ils sont en train de refaire le truc, j'ai l'impression. Oh, c'est vrai que c'est moche. Mais ils sont en train de refaire des trucs, donc... Mec, c'est trop vénère, Singapour. Regarde. Il y a des Chinois. Il y a des gens, ils applaudissent. Ils ont fait « Ouais !» Ho Chi Minh. Wow! C'est pas genre les gens de ouf? C'est beaucoup trop vénère ce coin, mec! Attends, c'est quoi ici là? Le quoi? Le flou chlou chlou complexe? Putain, j'arrive pas à lire! Oh, y'a des vieilles pièces! Oh, une madame! Y'a pas quelqu'un qui est pas flouté là? Il a un crâne rigolo. Ok. Mais c'est pas Singapour! Bah, je sais pas, c'était marqué Singapour! C'est le Fulushu complexe. Bah si, c'est Sunsu, ouais. Un des trois, là, c'est Sunsu, de toute façon, avec sa moustache. Wow. Ok. Me regarde pas comme ça, me regarde pas. Regarde. Avec sa coupe de fuckboy, là, j'ai la même, ta gueule. Mais lui, là, il a teint en blond, ce gros PD. Moi, c'est pas pareil. OG, original gangster. Ok. Fais voir un peu, là. Ok, donc c'est super vénère. C'est plus indien que chinois, Singapour. Bon, et eh ben vous dites quoi alors? Qu'est-ce que vous allez dire?
chat. C'est votre partie, hein. T'es à Kamurocho. Franchement, on dirait Kamurocho, ouais. Dans ce coin-là, là, on dirait, hein. Quel lieu ! Ah ! Le 53e jour national. C'est un pays qui existe depuis 53 ans. Kamurocho s'est inspiré de Kabukicho, c'est dans la province de Tokyo, je crois. Enfin, c'est dans le même coin que Tokyo, quoi. Ouais, voilà, Kabukicho. Tsingtao Chinese Cultural Product Supermart. Ah. Ah, 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 ah. Un, un, un. Alors, vous dites où, les gars? Où est-ce que vous dites? Je sais pas, je dis Chine, mais ça se trouve, c'est ailleurs. Mais moi, ça, bah, bon, bah, Hong Kong fait chier. Vous dites... McDo de Singapour. C'est où Singapour? C'est en Chine? Non? C'est où Singapour? Singapour, c'est pas un genre de pays tout seul. Hong Kong. Vous dites Hong Kong? Ça dit Hong Kong. Ok, ça dit Hong Kong. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord sur Hong Kong? Où sur Hong Kong? Vous voulez dire où dans Hong Kong? Parce que c'est grand Hong Kong, hein. Sampokong, Kowloon. Ça existe encore, Kowloon City? Bah non. Ah non, ça a été rasé. C'est quoi ces trucs? Pourquoi il y a des croix là? La rive sud, le milieu. Là, vous dites ici là? Milieu. Là, vous dites ici. Est-ce qu'on dit là? Est-ce que vous êtes ok pour dire là? Vous dites là? Au milieu? Sur l'eau? Là? Ce que vous voulez, hein. Ouais, au milieu? Allez, c'est Tipa. Bra, je prends de l'avance, vous êtes en train de perdre, c'est chaud à rattraper. Je sais pas pourquoi vous avez dit Hong Kong, ça a dit 8 fois Singapour, je sais pas pourquoi vous avez dit Hong Kong. Alors, où est-ce que ça peut être? Je regarde les détails, je ne dis rien. Ouh, .co.za, ça peut être intéressant peut-être pour savoir où c'est. .za, je ne sais pas où c'est. Ouh, un gros truc. Crime Prevention Unit, oh la vache, Talon. Putain, c'est quoi ce truc? Attends. Mec, c'est vénère de ouf. CPU. Talon. Mec, je veux bosser avec eux, moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je regarde des trucs. Oh, ça a l'air d'être un pays, en tout cas. Alors, McDo, il est pas mal. Il y a un McDo à plusieurs étages. Le logo d'échelon 3. Ici, il y a un chicken shop. Voyons voir un petit peu. On va peut-être voir comment est leur monnaie. C'est pas marqué, c'est pas grave. Tant pis. C'est une milice. Worcester Road. Ackerman. Où est-ce que ça peut être? Ouh. C'est en Uttarakhand. Ah ouais, je connais Strike at Karkand, ouais. 6 points superette. Vous pensez que c'est aux US? Ouh, il y a du chinois. Il y a du Afrique du Sud. Après la ville, je vois pas. Tu penses que c'est Afrique du Sud? Arthur's Road. Ça dit Afrique du Sud? Est-ce que vous êtes d'accord avec Hoffman pour dire que c'est Afrique du Sud? C'est chaud un peu, je trouve, moi, hein. New Zealand, peut-être. Ah, il a eu de la luck, c'est ça, Guatemaltec. De quoi tu parles? Je regarde un petit peu, hein, je regarde les détails, je regarde des choses, peut-être que vous pouvez trouver des informations. Mais visite, on n'a rien vu, mais je visite. Peut-être regarder aussi la direction des véhicules, je sais pas. C'est peut-être important aussi de savoir. Hein, regarde, standard, Ocean Breeze. Tout à l'heure, c'était marqué Sea Point. Je sais pas, peut-être que Sea Point, c'est un coin. Hein, À mon avis, ça doit être en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est en Nouvelle-Zélande. À mon avis, ça doit pas être... Ça doit être... Ouais. À mon avis, c'est en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce que vous dites? What do you say?
Oulou. Loveland. Oh, mais il y a un sextoy. Enfin, un sextoy, un sex-shop. Ouh. 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 Rentrante. Female friendly. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok. Il y en a plein à côté de chez moi des sex-shops, si ça vous dit, les gars. On n'est pas obligé. Ouh, c'est peut-être intéressant. Un point qui, un truc qui s'appelle Sea Point et qui est près de la mer, je sais pas. Je sais pas du tout. Saint John. Tu crois qu'il y a encore. En fait, je suis en train de jouer tout seul. Je suis pas vraiment en train de jouer avec vous. Hein. Le Cap, moi je dis. Il y en a qui disent le Cap. Le Cap, c'est là. Il y en a qui veulent dire ici. Est-ce que vous voulez dire le Cap? Ah, ma sœur à joue. Mais oui, c'est considéré comme un ma sœur à dos et à joue, ça. Hein. J'aurais dit Port Elizabeth, donc complètement l'autre côté. Ouais, vas-y, le Cap. Je dirais Elizabeth aussi. Ça dit plus Elizabeth que le Cap ou quoi? Aucune idée. Allez, merci, connard. Allez, on dit Elizabeth. Allez, on dit Elizabeth. C'est Tipa. Vraiment de merde. Brahma Restaurante Pizzeria Richard Medicina e Diagnostico Prasha Mahatma Gandhi. Oulo. Italie. Tu crois qu'il y a un truc Brahma et une place Mahatma Gandhi en Italie? Je sais pas, hein, peut-être. Hein. Berlin. Centro Cultural Luis Severiano Riverino. Ribéry. Oh, trop cool, il y a des trucs de l'époque. Regarde le McDo. Oh mais ça va, c'est bon, j'y vais au McDo. Oh là là, yon. Il est où, McDo? Ah, oh, mais c'est de la merde. Je veux voir les spécialités un petit peu. A Nova Curaçao de McDonald's. Do McDonald's, ça c'est je dis rien. Je dis rien, je vais pas vous aider. Vous vous démerdez. Al moco completo. R dollar. Je sais pas. Rio de Janeiro, ça dit Rio de Janeiro? Mm-hmm. Je sais pas, hein. Moi je pense que c'est plutôt Port Elizabeth. Ah, c'est démarqué bonbon. Bonbon. Ah non, c'est peut-être bonbonne. Bonbonnière. Bah, je sais pas, c'est... pâté? Ils vendent du pâté? Argentine 100%. Ouh! Chut! Mm. J'adore cette chanson. Alors, bref, où est-ce qu'on en est? On va visiter encore un petit peu pour vous, hein, les gars. Vous êtes un peu des merdes pour l'instant. Ah, attention, vous savez qui est venu à la crise. Venez participer, donc la mort doit break a mignon. Ta gueule et joue. Ah, toi, ta gueule. C'est quoi? Ouh, eh, ça a l'air presque civilisé ici. Vous êtes sûr que c'est Rio? C'est quoi ça? Teatro Municipal. Mais y'a pas WAP, il doit connaître lui, il est portugais. Je sais pas comment ça marche. C'est du portugais. Pourquoi tu dis en majuscule, espèce de faux? Ah, mais vous êtes bloqués, les gars, là. Oh, téléportation. Ok. C'est joli comme place, mine de rien. Ouf, ah oui, y'a quand même des putains de gratte-ciel. Venezuela, tu crois que c'est Venezuela? Brasil. Déjà, Voltic, tu vas fermer ta gueule. Je dis. Enfin, franchement, Cuba, ouais, c'est Cuba, c'est ça, c'est Cuba, t'as raison. Allez, on va dire Cuba direct, tac. Rio de Janeiro, nique les autres participants, allez, roule ma poule. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour Rio de Janeiro? C'est où Rio de Janeiro? Brasilia, Suriname, ça. Mais c'est où Rio? C'est au Brésil, Rio? Bah. C'est où Rio de Janeiro? Bah, c'est où? Je suis pas con, c'est au Brésil, on n'est pas fou. Attends. Ça existe plus? Attends. Attends. Mais c'est où? Mec? Non mais tout le monde vote Rio. Mais mec, je crois qu'ils sont piqués Rio, mec.
crois qu'ils ont volé Rio de Janeiro, mec, hein? Tu l'as loupé 4 fois. C'est vrai? Ah oui. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vous voulez mettre ça où? Allez, dites-moi. Dites-moi où vous voulez que je le mette. Vous dites top et puis j'arrête. Sao Paulo. Milieu. Là. Vous voulez que je mette là? Top. Top, c'est quoi top? Centro. C'est Sao Paulo. Ouais, vous voulez que je mette là? C'est bon, ça vous dit, vous? Allez. Ah. Filez-moi 2 balles, s'il vous plaît, pour pouvoir payer l'abonnement. Ok. Oh, les mecs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça c'est du talent, ça. Ça c'est du talent, ça. Ça c'est du talent, ça. Allez, avant-dernier truc. Je vous laisse un petit peu les drapeaux. Je vous laisse un petit peu, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas les drapeaux, en fait, il y a tous les drapeaux du monde. Il y a tout, il y a la Finlande, il y a la Chine, n'importe quoi. Non mais c'est de la merde, en fait, l'idée, parce qu'il y a tous les drapeaux du monde. Hein. Ok. L'éculazione totale. Made in Italy. Je sais pas. Oh non. Italie. Tu crois? Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est à Rome. Non. Vous avez rien vu. Oh putain, c'est trop cool ici. On dirait les petites galeries dans Kamurocho dans Kiwami 2. C'est qui elle là? J'ai l'impression que je la connais. Je dirais Rome. Vous diriez Rome? J'ai un truc dans la gorge. Faites ma langue. Rome. Ok, Rome. Alors c'est où? Où est-ce que c'est selon vous? Eh mais trop tard, vous dites tous Rome, donc voilà. Sud-est. C'est là? Sud-est de Rome? Ici là? Ou là plutôt? Là. Ici? Ah, je sais pas, c'est vous qui faites directement les suppositions. Moi je ne suis que votre. Municipio 8. Là? Ici? 4, 3, 8, 8? Vous dites 8? Bretagne Sud? Attends, y a l'Autriche qui dirait 6. C'est où 6? Je vois me pousser 6. Ça n'existe pas 6. Ah si, y en a jusqu'à 29. Ici, 15, ça dit 15. Eh les gars, il va falloir vous mettre d'accord. Hein. Bon, on met ici. Allez, on met ici. Trop tard. Vous êtes vraiment des merdes. C'était en plein milieu. Je vous l'avais mis en plein milieu et vous... Ah non, c'est le 8. Ah bah non, c'est le 6. Non, bande de losers. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Je sais pas pourquoi je joue avec vous, là. Je dis rien. Je dis rien là. Il dit putain, c'est trop vénère par contre le pays dont on parle. Alors je dirais Malaisie, tu crois? Putain, ils font un truc de Sherlock Holmes. Busted, Netflix. Ah putain, ils ont des Netflix en malaisois. Malaisie. Malaisois. 100% Limousin. C'est quoi comme. Putain, c'est super stylé la Malaisie, regarde. Ça a l'air propre en fait. Enfin, en fait. Je dis en fait, c'est pour déconner. Kuala Lumpur. Ah, c'est Kuala Lumpur? C'est où la Malaisie? Malaisie. Kuala Lumpur. C'est pas Malaisie, The Red. C'est ça, hein. Ok, vous dites où? Je suis chaud maintenant, moi. Niquez-vous avec le Limousin. C'est Poitiers. Ah, c'est Indonésie, The Red. Putain, à chaque fois, je dis Malaisie, moi. Milieu. Ici. Ouest. Est-ce que vous dites tous milieu? Brickfields. Vous dites brick, ouais, milieu quoi, Brickfields. Ok. Est-ce que vous avez. De pas loin, c'était boutique ting tang. Boutique ting tang, donc ça va. Bon, vous avez 18838. À part lui, que vous avez merdé, et lui parce que vous êtes des grosses merdes, ça va. 18838, c'est chaud un peu. Ouais, notez, 18838. Allez, c'est Tipar, c'est à moi.
alors, voyons voir. Vu que moi, je peux me déplacer où je veux et je vais vous éclater. Moi, sitting up says... Grand central, John Lewis. Venez, on dit de la merde tout le temps, bande de connards. Lloyd's Bank. That looks a bit British. Tramway. Ouais, c'est brito, ça. C'est brito de ouf, ça, non? Timpson. Ça serait... Y aurait pas un petit goût de Londres chez les jeunes de l'an 2000? C'est l'Écosse, c'est Paris, ça c'est l'Ukraine. Oh là, quelle bande d'enculés. Il y a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Il y a The Burlington Hotel. Je suis sûr que ça doit être très... très abordable. Tesco Mobile. Ok. Hein, ça doit être un gros Londres, ça. Un gros gros Londres. Il n'y a pas Vodafone en Grande-Bretagne, tu crois? Office just a let. Huh. Ouf. Ouf. Istanbul. Non, Birmingham, London, Leeds. Non. What? 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 Attends, parce que ça va commencer à me faire bader là. J'ai pas envie de me paumer là-dessus. Il faut que je vous défonce. Pakistan. Interiors. Fit out refurbishment. Oh, j'aime. Hello, I am Olivier de Carglass. Do you know that an impact on your... Non, c'est pas... Non, c'est, ça, ça ressemble à pas ça, Buckingham. Birmingham Cathédrale. Est-ce que ce serait pas à Birmingham? Tout s'appelle Birmingham en même temps. Et Birmingham, c'est... Birmingham. Je sais pas prononcer les mots. C'est quoi Birmingham? C'est un bled, tu crois, ou c'est un coin de... Birmingham. 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 Birmingham of the Ham. Allez, c'est parti. 672 mètres. Bra, skibidip, bra. Vous êtes vraiment des merdes, je vous éclate. Je vais vous foutre dans la gueule. Bah, franchement, je suis tout seul contre 36. Tout seul contre 36 et je vous éclate. Ouh, terremouac. Restaurant do nomauchnien kushni. Ça, ces grandes rues là, ces grandes rues, c'est Moscou. Les grandes rues à 1000 voies comme ça, c'est Moskva direct. Universal. Stalingrad. Pff, wow, oh, le soleil. C'est des Russes, ça? Ils ont pas l'air très russes. Jomenko... Jomor... Fomor. Je sais pas comment on prononce cette lettre-là. Il est pété, leur écran, là. Je pense que c'est Moscou. Fais voir, c'est, ça a des gueules de Russie, ça, ou... KFC, hein. Daitov, je sais pas comment ça se prononce. C'est la Russie, tout est pété. c'est vrai qu'en Russie, tout est pété. Hein. Artyom. Remonte. Oh la vache, c'est quoi ce délire, le magasin, là? Bon. Je pense que je vais mettre Moskva, hein. Moskva. C'est chaud un peu, j'ai peur de faire une connerie. Hein. J'adore cette chanson, sinon. fais voir. Je vais aller un peu plus loin là-bas. Tiens. Je crois que je me suis... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire assassiner ou... Je crois qu'ils m'ont chopé. Les gars, appelez les flics. Je crois qu'ils m'ont... Ah, mais l'autre, en fait, il s'en bat les couilles. Il fait ses petites photos. Ah, mais il suit un guide, ce loser. Il suit ses petites photos. Tranquille. Eh, hey, allez. On floute même pas une star américaine. Lui, il a joué dans Constantine, hein, je suis désolé. Mais je peux pas bouger, donc bah, je suis bloqué pour toujours. On va dire que c'est Moscou, hein. Apparemment, je me suis littéralement bloqué dans le monde. Donc, on va dire que c'est Moskva, hein. On va dire que c'était là.
Ouh, ça va piquer de ouf, ça. Ouh, ça va piquer de ouf sur les points, ça, poteau. Oh là là, c'était tellement à Saint-Pétersbourg. Mais regarde, d'un point de vue mondial, ça va. Ah, putain. Saint-Pétersbourg. Putain, chaud, chaud, chaud de ouf. Ouf, ouf, ouf. C'est où, ça? Il y a des Renault, il y a des Peugeot. Super promoção. Je pense pas que ce soit Brésil. Je pense justement que c'est Portugal, ça. Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Mais d'où tu parles? Ferme ta gueule. T'as aucune idée de quoi tu parles, mec. Ouais, c'est ça, c'est moi, là. Dombolos. Faut pas que je me gourre. J'ai déjà mangé une énorme tôle sur Saint-Pétersbourg. Si j'ai envie de vous clacos, je peux pas me gourer, là. C'est Sao Paulo. C'est au Brésil, Sao Paulo? Buonasera. Promo Sao Pizza. Putain, je mangerais bien une pizza. J'ai super faim. Attends, c'est... Oh, Big Center. Je vais aller plus loin là-bas. T'es mauvais, Jack, c'est l'Italie. McDonald's hamburgers. C'est bien de préciser qu'il y a des hamburgers quand même à McDo, parce que c'est vrai que je suis pas sûr que tout le monde sait. Sache. Carlotta, putain, ce nom de pute, Carlotta. Ah non, c'est parce qu'elle est dans... Ouais, c'est 117. Je me disais aussi, Carlotta, j'imagine une nana habillée en Asie avec des gros nibards, c'est bizarre. Oui, c'est parce qu'elle est complètement dans OSS 117, en fait. Alors... Oh, va y avoir de l'info, là. Va y avoir de l'info juteuse, là-dessus, là. C'est weird. Banca della Bianca. Ah. Piracicabana. C'est chaud, un peu, là. C'est chaud du cul, un peu, là. Cette femme... Elle tient quelque chose. Un énorme god. Et lui, il t'aima de ouf. Oh, une grosse et une belle. Faut forcément qu'elles se baladent ensemble, sinon la belle, elle a l'air moche toute seule. C'est quoi ça? Oula! Putain, on a changé de magasin, merde! Attends. Bah non, bah merde. C'est pas grave. Eh, c'est chaud et qu'il y a aucune info. Je sais pas si c'est Brasil. La troisième à droite après Saturne. Quel connard. Oh putain, y'a aucune info, mec. À part que c'est au Brésil. Et le Brésil, je vais t'avouer que c'est quand même assez grand. c'est d'une taille quand même assez... Putain, mais c'est où? On est où? Mais aide-moi. Plastica, je t'emmerde. Sale enculé, va. Plastique, ne me remets pas ce souvenir difficile au caralho. Oh merde, y'a personne. Ce souvenir difficile dans le crâne, s'il te plaît, j'ai déjà assez souffert comme ça. C'est quoi, Samsung? Dis-moi où t'es, Samsung. Trop con. C'est à moi que tu parles. attends, c'était pas une adresse, ça? Lola, putain, mais Brasil, mais tu fais chier. Maïs que vencedorem Jesus Christo. Putain, ça c'est cool. Demande aux passants. Agui? Y'a encore Procon là, tu crois que c'est Pro... Putain, j'ai bavé sur tout mon micro. Tu crois que c'est Procon? Tu crois que ça existe, Procon? Eh, c'est chaud, mec, Procon, mais... Oh là 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 là, mec, faut que je cherche. En plus, vous allez pas me dire si vous voyez Procon. Eh, c'est chaud. Y'a un petit gâteau? Il a l'air bon, son petit gâteau. Procon, Procon. Trop bon, Procon. On n'est pas ensemble du tout, ben ouais, mais je vous connais, la bande de salopes. Alors que moi, je vous aide, je vous montre des informations intéressantes, je vous... etc. Franchement, t'as eu la réponse, mais t'es totalement passé à côté. Merde. Oh, le con. C'est vrai? Non, mais non, commence pas à me faire baliser, mec. Mec, arrête. Du coup, je suis en... Ah merde, putain, mes connards! Deadpool, putain! Attends, il est pas... Là? Quoi? Attends... Ah, l'enculé, je suis sûr, il est en train de se foutre de ma gueule. Spoilers. S'il te plaît.
Putain, mais dites où vous êtes là! Putain! Eh, mais si vous m'aidez pas aussi là, je parle au brésilien. Ça a mal se mettre. Hein. Ah, c'est à Bridgestone! Putain, ça fait du bien de le voir galérer cet enculé. Mais je galère tout le temps! C'est bizarre que ça t'ait échappé! C'est quoi ça? Il y a des informations là. Oh, un beau gosse. Pixixito! C'est quoi? Barbera Brasil. Asa Norte et Aguas Claras. Hein. C'est ouf, n'empêche, le Brésil. Mais même sur leur... Putain, mais ils disent pas où ils sont, même sur leur camion. Eh, mais les connards. Vraiment des connards. Cette partie, c'est dans mes veines. Putain, attends, il y a une adresse là, non? Asa Norte. Procon. Ah, c'est une autoroute! Asa Norte? Tu crois que c'est au nord, Asa Norte? Mec, attends, Asa Norte, Asa Norte. C'est quoi Procon? Procon 151, tu crois que c'est une route? Bah non, c'est pas possible. Allez, mais putain! C'est où Procon? Ça m'énerve. Ah, mais je suis déjà au sud là en fait. Oh putain, il y a Joinville. Vas-y, on va y aller, mec. On va smoke la... Putain, c'est la merde. Je vais me faire éclater sur Procon. Je vais me faire éclater sur Procon, mec. Ouais, faudrait que je les achète, limite, hein, mais... les appels. Franchement, tu sais quoi? Je vais prendre un numéro, je vais l'appeler. Ils vont tous voir fou, ils vont dire... Fais chier, moi, tant pis, ici. Ah! Non! C'est trop long! Ah, mais quand ils disent Brasilia, c'est pas le pays, en fait, c'est la ville. Moi, je croyais qu'ils disaient qu'ils étaient au Brésil. Mais c'est la ville, en fait. Je savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Brasilia. Je savais pas qu'il y avait une ville. Mais grosse merde, mais j'ai joué qu'une seule fois à Max Payne 3. Non, en plus, c'est pas vrai, j'ai joué plein de fois. Mais Brasilia... Tiens, où est-ce que ça peut être? Oh bah c'est bien con. Oh bah c'est bien con, tiens, gros bâtard. Ah bah c'est bien con, ça. Il est où le McDo, mon gars? Je vais le trouver. Franchement, à la rue près, je vais l'éclater. C'est dégueulasse. Non, je vais juste mettre là, vas-y, hop. Attends, là, voilà. Alors, j'avais peut-être oublié un ou deux détails. Attends, c'était où ça? Ah, c'était Rome. Attends. C'était Rome. C'est ça, c'était au milieu de Rome. Il est tout pété, son truc. Yes, 184 mètres. On a gagné. Boum, 20 000 points. Boum, bop, boum. Ouh, putain. Oh, yes. Bra. Putain, vous valez rien, cassez-vous. Cassez-vous de mon stream. Allez, vous me devez tous 500 balles, c'est Tipa. Bref, allez, people, est-ce qu'on peut trouver des gens rigolos? Stupid people ou weird people? Naked people. Mec, arrête. Arrête, mec. Oula. C'est chaud un peu, non? C'est quoi ce délire? Mais y'a pas des gens tout nus?
Il y a pas de gens tout nus du tout. Il y a pas des gens tout nus. Pourquoi ils disent qu'il y a des gens tout nus? Va y avoir un moment un gros poster de cul. On va se faire suspendre toute la vie. Bah, est-ce que ça m'a mis direct à la ville? Bah il est con le truc. Bah, il est con le jeu ou quoi? Est-ce que ça va mettre que celui-là en permanence? Oh. Ouais. C'est où les gens tout nus? Oh là. Il n'y a pas de gens tout nus? Mais ils sont où les gens tout nus? Ils ont dit qu'il y avait des gens tout nus là! Putain, mais. C'est encore Bassola? Non! Putain! Bâtiment à nu! Mais non! Mais non, non! Il a dit qu'il y avait. On s'est fait bambousler! Mec, je suis sûr on va choper un virus! Mais c'est encore dans sa ville à la con! Mais il me fait chier ce truc! Bah écoute, on va avoir un bon score, mais qu'est-ce que je te dis? Mais c'est quoi ce délire? Aussi. Waouh, 321 points. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire, mec? C'est quoi ce délire, mec? Putain, what? Stupid people, ok. Compilation of the Domain of People, il y a aussi un Google Maps. Il n'y a que 5 locations, alors j'espère que ça va être intéressant. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais on est où là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire un spoof? Mais on a des noyaux. Ah, vas-y, fuis poteau. Qu'est-ce que c'est que ces emmerdes? Mais qu'est-ce qu'il a fait, gars? Mais... Mais qu'est-ce que c'est? Mais ouh. Mais c'est quoi ce bled? La musique, c'est Evil Destroyer de l'OST de Thunder Force 4. Thunder comme l'orage et Force comme la force. Putain, mais c'est Mirror's Edge le coin ou quoi? Attends, mais on va se casser ici parce que... Waouh. Waouh. Attends, je veux me barrer, vas-y, exit. Ah, c'est bon, on va se barrer. C'est quoi? Sam from Foufou. Le Square F Falcon Hospital. Ah oui, c'est un hôpital juste pour les faucons. Mais c'est super stylé. Tiens, bah attends, tu peux t'asseoir sur le banc en face là? Mec, t'as même un petit banc en tissu pour attendre ton faucon personnel. C'est beaucoup trop stylé, mon gars. Du coup, où ça peut être, tu crois? À Soul Makif? À Soul Wakif? Oh, il est à l'envers ou à l'endroit lui? Non. C'est dans quel bled vous pensez? Dans un bled rigolo, non? Bah si, si. Mais il est con le. Mais il est con le truc. Eh mais attends, il y a un problème. Non, il doit y avoir un problème en fait là. Il doit y avoir un souci dans le truc parce qu'il commence à péter un plomb. Non, ça c'est bon. Bah ça oui, ça c'est plus ou moins évident. Je comprends pas le. Putain, on dirait mon ancien coloc. Je comprends pas le délire, là doit y avoir un système, bah oui. Bon bah écoute, on va se foutre un petit coup de New York sur le cul. Non, c'est où déjà? C'est là, non? Non, c'est où? Merde, elle est où la Statue de la Liberté? Vous savez, vous? Je sais pas où elle est comparée à New York. C'est à Manhattan? Pas dans le coin, là? Ellis Island? C'est où, Ellis Island? Ah, ici. Et là, on est où? On est paumé dans l'océan. Ici. Boum! 1,4 km. C'est y par poteau. Ouh! C'est quoi ici? Mais c'est en France ça? C'est quoi comme château? Mec, on dirait. On dirait Guérande?
je sais pas si c'est un château de Bretagne, on dirait Guérande. Mais la tour de Londres, c'était écrit en français, c'était marqué la rapière. C'est Carcassonne. C'est Carcassonne, ça? C'est quoi Carcassonne? C'est où Carcassonne? C'est Carcassonne, Russien! Ok, mais c'est où Carcassonne? Pourquoi tu cries? Sur ma vie de ma mère, c'est Carcassonne. C'est où Carcassonne? Je sais pas où c'est. Wallah, wallah, c'est Carcassonne. C'est où Carcassonne? Dans le sud. Il va falloir être un petit peu plus... Ah, Carcassonne. Cité de Carcassonne, c'est ça? Je crois que c'est ici. Château Comtal. C'est bon, Comtal? Ouf. Oh, l'oltruche, il a tout niqué. L'oltruche, il a tout niqué. 200 mètres. Alors là, restec. Là, franchement, restec. Oula. Wow. Wow. Mec, c'est Stargate SG1 ici, là. C'est quoi le délire? Ah. Non, mais il y avait un panneau. There was a panneau. Grandomine Bilbao. Bilbao, c'est quoi? Bilbao, c'est pas en... Non, bah non. Plata Euskadi Supiarte, c'est pas un truc c'est en bob. Non, c'est pas en Amérique du Sud. Non, STP. S'il vous plaît. Gay. Espagne, Bilbao. C'est en Espagne, Bilbao. Non. Servicio técnico informático, reparación, mantenimiento, particulares y empresas. Téléphone. Okay. Bilbao, c'est au Portugal. Bah oui, c'est pas en Espagne. Mazzaredo. Mais je pense par contre que ça, c'est en Espagne. Sans ma messe. Arnhem, Pays-Bas. Mais vous. Guggenheim. Quoi? Quoi? Bah. C'est. Je comprends pas. C'est quelle langue? On est où sur les langues? Musée de Guggenheim. Musica. Ah oui, non, c'est pas du tout Espagne en fait. Tabin. Bilbao. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi leur langue? Guggenheim, c'est en Espagne? C'est quoi? C'est à Bilbao du coup? Vous dites vraiment que c'est à Bilbao? Maz. Oh, attends, il y a des panneaux qui ont disparu. Et c'est en Espagne, Bilbao. C'est quoi le nom en français de Bilbao? Bibel, Bibat, Saint-Sébastien. Donostia, Saint-Sébastien, Saint-Hernandez. Ah oui, Bilbao. Ici. Ah oui, Guggenheim. Bah oui, mais ici, du coup. Ah oui, en effet. C'était évident, en fait. Mais je savais. Attends, j'arrive pas à baisser le... Mec, ma vidéo est en train de bugger. Oh là là. Mon navigateur, il est en train de se chier dessus. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Attends, mon PC, il pète un plomb, là. Oh là là, bah ok, j'ai plus de chansons, alors. Bon, bah... Attends, je vais vous en mettre une autre, là, c'est bon. J'ai cru que t'allais encore pas voir la ville et crier... J'ai les yeux d'aigle, hein, donc je vois pas pourquoi. Ok, c'est type 1. Et bah voilà, 200 mètres, et on va tout éclater là. Ah, c'est pas très très d'actualité. Regarde-moi tous ces Français qui disent bonjour. Y'en a pas un qui dab? Dis-moi qu'il y en a un qui va dabber, mec. S'il te plaît, j'en veux un qui dab. S'il te plaît. Y'en a pas un qui dab? Oh, je suis sûr qu'il y a une map. Je suis sûr qu'il y a des maps exprès avec des gens qui dab. Allez, un petit dab. Mais non, mais c'est quoi ces pouces là, putain? Ça a pas dû être pris récemment, ça. Gilet jaune. Où ça? Où ça, il y a un gilet jaune? Oh, c'est vrai. Il est trop cool, lui. Oh, putain. Eh, les mecs. Il y a Skynet, il est en train de nous prendre en vidéo. Oh, faut pas le con, Michel. Ils sont tous en train de se planquer, mec. Ils sont tous en train de se képlan. Ah, c'est chaud. Il y a pas un petit dab, là? Oh non. Il est juste vénère. Oh papy, il est à fond là. Putain.
Putain, y'a pas un seul dab. Regarde, ça c'est français, ça. Ça c'est français. Bon, allez, Notre-Dame. C'est là où y'a... Comment il s'appelle? Van Helsing, c'est facile. C'est où, à Paris, Notre-Dame? Je sais pas où c'est. Les catacombes, la tour Eiffel, Sacré-Cœur, Place de la Nation, la tour Montparnasse, sur l'île. Là, là. Ah oui, cathédrale Notre-Dame. Et nous, on était devant, genre ici, en fait. Non, on était derrière. Non, on était là. On était là, nous. Oui. 20 mètres. 20 mètres. Mbra. Mbra. C'est trop facile, en fait, ce truc. Ouh. C'est pas en Espagne, ça? Ça me dit quelque chose en Espagne, non? Pas du tout. Las Nequiveil. C'est quoi, ça? C'est quoi? Une cathédrale? Putain, elle est vénère de ouf, par contre. Elle est complètement stylée, hein. Y a pas à dire, l'architecture gothique, ça chie, hein. C'est pas la cathédrale de Reims. C'est où, Reims? Reims. C'est où, Reims? Reims, c'est pas vers le sud, Reims? Genre vers là, là. Lyon. Au-dessus de Paris, ah. C'est où, Reims? Vers Paris, c'est là. Amiens, Reims. Paris Nord-Est, ok. Reims. Cathédrale de Reims. Je suis sûr que c'est là. C'est où? Cathédrale Notre-Dame de Reims. Ici. Vous êtes vraiment des merdes. C'est une catastrophe en géographie, mais je les connais pas, vos bleds pourris. Pour moi, tous les bleds de France, ils sont là. En fait, il y a deux parties à la France. Il y a ça, et il y a ça. Ici, il n'y a pas de problème, mais alors quand on va ici, mais c'est mort. Ouais, c'est vrai qu'elle est stylée, la cathédrale de Chartres. Bon, et bah les copains, c'était cool. Je vous ai quand même bien défoncé sur le défi, là. Putain, vous êtes vraiment des merdes. Je vais couper là, j'espère que ça vous a fait quand même oublier Youngblood. Une map dab, tu veux qu'on teste, voir si on n'a pas une map dab? Fais voir. Est-ce qu'il y a petit dab? Dab. Where have dabbed? Dab? Il n'y a pas de dab, c'est... Putain, c'est quoi par contre? Ils ont l'espace ou quoi? C'est vénère comme map. Attends, on s'en fout. Je veux voir, c'est quoi comme map du coup? Je comprends pas le... Ah. Ah, d'accord. Oh là là, mec, c'est quoi? On voit directement l'inframonde ici. Il y a vraiment l'inframonde. Putain, c'est quoi ce délire? Je suis sûr c'est genre ici. Ah, pas loin. C'est quoi? Ouais, c'est moins cool. Ça, c'est lol. Ah, putain! Les Caraïbes. Reste pas les Caraïbes. L'antre de David Jones. Afrique, là. Ouais, c'est moins les Caraïbes, déjà. Et c'est moins joli, je trouve. Cette musique, c'est une chanson en chiptune qui est sur les cracks de Codex. Donc, tu cherches Codex. Normalement, tu devrais l'avoir. Ouh, ça, c'est ici, là. Ça, je sais que c'est là, là. Bim. Et hop. C'est quoi ce délire? Donc c'est pas ça, c'est pas du tout ce que je cherchais tout à l'heure. Dab, est-ce qu'il y a pas vraiment des dabs... Allez là. Putain, il y a pas un seul dab. Mais ils vont pas daber en Chine, c'est n'importe quoi. Ils savent pas daber en Chine. Je suis sûr que c'est interdit par le gouvernement de daber en Chine. Putain, vas-y, y a que dalle quoi. Et si on met people? People, weird people. Peut-être ça, c'est marrant ça. Ah mais on l'a déjà fait celui-là. Il y avait les potes de Spider ici là. Il y avait les potes de Spider et... Je suis où dans le monde? Ok. Ouais, celui-là on l'avait déjà vu. Celui-là on l'avait déjà vu. Et je crois qu'il y a des gens qui disent coucou là, c'est pas ça, rentre comme ça? Non, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Et c'est où les weird people? Il y a pas trop de weird people ici, poto, hein. Mais oui, on a déjà fait cette map, mais Ah. Ah ouais, ouais, ok. Bon, tu sais quoi? Je pense qu'on va couper. On va couper sur lui, je me souviens de lui, il est génial. On va couper sur lui. Ouais, j'espère qu'un petit coup de GeoGuessr, déjà ça faisait longtemps, et j'espère que ça vous a fait un petit peu oublier Wolfenstein Youngblood, qui était catastrophique et que je restreamerai pas, je pense. Demain soir, il y a EDF5 avec tous les poteaux, et je vais faire Doom 2016 en entier
vendredi prochain. Donc j'espère que vous allez être là quand même. Ce serait vraiment bâtard si c'est pas le cas. Et puis en plus je vous déteste. Donc moi je vous fais de gros bisous. J'espère que c'était quand même une bonne soirée, quand même 1h30, ça fait quand même un joli stream. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain et gros bisous derrière. Allez bisous les gars, ciao.